Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui, porque foi bastante tempo de trabalho. E, enfim, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas para esse simpósio por uma lei da bibliodiversidade. Antes, é claro, de iniciarmos os nossos trabalhos, não poderia deixar de convidar o nosso querido diretor, professor Guilherme Ari Plonsky, aqui presente, que cedeu seu tempo precioso de forma muito generosa para nos saudar. E eu passo então imediatamente a palavra ao professor Guilherme Ari Plonsky. Muito obrigada, professor. Bom dia, professora Marisa. É uma alegria participar de um evento no qual você tem esse papel de organizadora. Você é muito ativa no professora da ECA, mas também muito ativa no nosso grupo voltado às relações Brasil-França. Eu cumprimento também nossos parceiros nesse evento, que são o Instituto Examerick, na pessoa da doutora Lívia Calil, o consulado, a Le embaixada e o consulado. consulat de France, l'ambassade de France, le consulat de France au Brésil, ici représenté par Madame Vincent Zonka et Madame Nadège Mézier, le consulat de France à Saint-Paul, aussi bien que professeur Patricia Sorel de l'Université Paris-Nanterre. Et juste pour vous dire quelques petits mots, la première observation déjà pour le titre du congrès, parce que nous avons la conférence de la biodiversité qui se passe actuellement en Chine. Alors, vous avez très bien choisi le titre parce que ici, chez nous, il s'agit d'une conférence de la biodiversité. C'est une coïncidence intéressante. Je voudrais aussi saluer de l'opportunité du sujet de discussion. Ça tombe très, très bien parce qu'on discute de ça à l'Assemblée, au Congrès, avec une grande polémique, comme vous avez souligné lors de votre présentation, parce qu'il y en a qui comprennent que ce sujet doit être approché à partir de l'aspect commercial, mais évidemment, ça vient bien au-delà, dans le sens, dans l'esprit de notre IEA. Bref, de regarder et d'approcher un sujet à partir d'une multiplicité de perspectives, tout en cherchant une convergence de regard et une coopération interdisciplinaire pour bien comprendre quel est le meilleur chemin à prendre, quelle serait l'approche qui soit la meilleure. Et dans ce sens, nous avons le privilège de pouvoir vérifier, de pouvoir analyser ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années déjà en France, à partir de la loi du prix fixe, qui nous apprend beaucoup de cette réalité, de ce sujet. Donc, nous avons cette possibilité extrêmement riche due au fait que nous sommes tous, nous pouvons le dire, nous appartenons tous à une même culture d'origine latine. Et évidemment, il y a des différences. Les statistiques nous montrent qu'en France, la lecture est beaucoup supérieure, très, très supérieure à ce que nous avons au Brésil. On lit 5 fois de plus au Brésil. Au Brésil, nous lisons 5 livres, en France, 21 par an. 88% de la population française, à partir de l'Institut du Livre, se déclare comme des lecteurs réguliers. Au Brésil, c'est 52. Mais si on laisse ces différences de côté, la possibilité que nous avons au Brésil d'accompagner ce trajet très respectable, 4 décennies de mise en place de cette loi longue, ça va nous permettre de jeter de la lumière sur notre discussion pour avoir de l'aide, de subsides pour ce débat, pour cette discussion qui concerne en fait les politiques publiques. Point de vue personnel, je voudrais aussi vous dire que, à part ce contact de la francophonie, dans la francophonie, il y a, je parle beaucoup à des partenaires en Israël. En Israël, ils ont aussi une loi de ce genre. Bref, tout ça pour dire que ça ne concerne que la France ou le Brésil. Ça appartient aussi comme discussion à d'autres sociétés. C'est un moment d'énorme transition technologique. Ici, d'après ce que j'ai compris, la loi Long est surgie, est apparue
dans une ambiance de librairie versus le grand commerce plus généralisé, disons. Et à ce moment, nous avons en plus le commerce traditionnel versus le commerce électronique. Tout ça pour dire que nous avons deux points qui concernent l'économie, la culture, les changements technologiques, les relations internationales aussi présents dans ce débat, qui font partie de ce débat. Voilà pourquoi je vous remercie vraiment d'avoir choisi notre institut pour promouvoir cette discussion, ce débat, dont j'ai aucun doute, ça sera très positif et ça va générer des résultats, ça va générer tout un débat, des propositions, de nouvelles idées. Et je voudrais finir en remerciant au Consulat de France pour le programme de chaire franco-brésilienne à l'Université de l'État de São Paulo. Il y a d'autres initiatives aussi. Très récemment, nous avons eu une autre initiative avec un séminaire important, bref, un cycle de séminaires dans le cadre de ce programme. Et je voudrais aussi vous souhaiter que dans le jour qui suit, toute cette semaine, nous puissions avoir une activité qui soit aussi, à part les très bons résultats que nous aurons, que nous puissions avoir aussi une ambiance sympa, agréable. Et je voudrais aussi vous dire quelques petits mots par rapport au fait que vous avez pu inviter M. Jacques Lang, ex-ministre de Culture, qui sera parmi nous. Alors, c'est une grande joie. Professeur Maryse, un grand merci. Je vous invite à parler. Alors, professeur Ali, grand merci. À vrai dire, nous cherchons tous la diversité. Et je pense qu'on n'a jamais cherché à reconnaître la diversité comme une cherche de l'unité, comme on le fait actuellement, d'où la biodiversité, la bibliodiversité et d'autres expressions que nous pouvons composer avec, bref, la reconnaissance de l'autre. Je voudrais vous dire que je suis très angoissée. On dirait que c'est la première fois que je fais l'ouverture d'une rencontre parce que c'était un long chemin. Nous avons beaucoup travaillé. Alors, j'ai un texte et je vais le lire parce que je n'ai pas le calme du professeur Ali. Et si je le fais, je vais plonger dans mes larmes. Je ne vais pas le faire. Alors, bref, il y a un texte que je vais lire. Je vous demande d'avoir un peu de patience parce que j'ai écrit pour ne pas oublier de noms importants. Alors, pour un grand nombre de vous, cette journée commence à peine. Pour nous qui avons travaillé dans la gestion depuis un an, plus d'un an, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, c'est un nouveau parcours qui commence maintenant avec un nombre plus important de personnes qui nous accompagnent. Donc, je vous demande d'avoir une bonne volonté et de me permettre de remercier à tous et toutes les partenaires, à tous les compagnons de route grâce auxquels cette rencontre est possible. Cette rencontre internationale pour une loi de la biodiversité, il a été divulgué et il est devenu un objet de discussion et aussi d'euphorie. De Paris à Lisbonne, de l'Amazone à Rio Grande do Sul, de Bahia à Goiás, de Rio à Mato Grosso, on a eu un grand nombre d'adhésions et des agents qui multiplient cette initiative qui est la nôtre. Je vous remercie de votre participation dans cette campagne si ample. Grand merci à tous les étudiants et toutes étudiantes. De façon très spéciale, un grand merci aux filles de Instagram, Livia, Fabiana et évidemment notre chère designer Isabella Loredo, qui ont fait un travail remarquable, très beau, de divulgation, de promotion de contenu de cette rencontre. Je dois aussi vous dire que Eder et Matheus nous ont énormément aidés dans la production de quelques vidéos.
la biodiversité est ici approchée par nous d'un point de vue de la régulation de ce marché d'édition et de la chaîne de production du livre. Et le sujet central, comme vient de nous dire professeur Ali, est loin d'être épuisé. Walter Porte a souligné dans le journal Folha de São Paulo le 2 octobre, et je cite, que le débat de fixer le prix des livres revient dans une époque de Paulo Guedes et Amazon parce que l'émergence de ce mastodonte numérique, l'expression n'est pas la mienne, c'est un sujet de grande inquiétude, pas seulement pour ce qui concerne l'impact sur le secteur d'édition, mais aussi bien pour tout ce qui concerne l'économie et les aspects de société de façon plus ample. Dans un article de 7 octobre, Roselyne Bachelot, sous le Figaro, ministre de Culture de France, dit, je cite, « Le support au secteur du livre doit être constant à mesure que ce mastodonte numérique a imposé une nouvelle forme de concurrence par le prix, ce que fragilise la loi Lang de 1981. » C'est bien ça. C'est un mastodonte numérique qui se présente aujourd'hui comme un défenseur. Je pense que nous avons eu un petit problème de web avec le professeur Marisa, mais elle sera de retour dans quelques instants, je suppose. Est-ce que vous m'écoutez en français? Vous pouvez écrire sur le fin. Oui, parce que elle a. Oui, voilà. Livia va nous parler parce qu'elle a eu un petit souci d'Internet. Alors, vraiment, nous avons un petit souci technique. Comme vous le savez, quand on fait les visioconférences, ça peut arriver, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je préconise pour l'instant? Je pense qu'on continue, qu'on passe à la programmation et dès que professeur Marisa soit de retour, on reprend son discours à ces mots gentils d'accueil qui sont les siens. Alors, le prochain point de discussion, ça sera mon petit texte. Moi aussi, j'avais préparé quelque chose à vous dire de présentation. Pour vous remercier tout d'abord de votre présence, de la présence de toutes et tous dans cette rencontre si importante pour nous tous. Et je profite aussi pour vous parler un peu de l'Institut que je représente. Bref, je ne vais pas vous parler énormément, je vais lire mon texte tout en espérant que vous puissiez le suivre et qu'il ne soit pas trop ennuyeux. Hein. Je vais essayer de garder le niveau, respecter le niveau de Marisa. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, soyez tous les bienvenus. C'est un grand plaisir de me rejoindre au discours de la commission de gestion, professeur Ali, professeur Marisa, qui ont déjà parlé, qui nous ont donné la bienvenue. Et avant d'approcher les questions concernant au sujet autour duquel nous sommes ici réunis, je voudrais présenter à tous qui ne connaissent pas l'Institut des Amériques, une institution au travers lesquels professeur Marisa nous parle. Pardon, l'Institut d'Amérique, c'est un groupe d'intérêt scientifique créé par le groupe CNRS en 2007. Il va fédérer les études en sciences humaines et sociales sur les Amériques tout en jetant de la lumière et en mettant en valeur cette approche transaméricaine et pluridisciplinaire. L'Institut est présent sur l'Institut américain sur 12 pôles depuis le Canada jusqu'en Argentine et ces pôles sont coordonnés, c'est la gestion faite par des doctorants, des étudiants de doctorat qui reçoivent un contrat qui leur permet pas seulement de mener leurs recherches, aussi bien que mener de fonctions, avoir des fonctions de gestion, de représentation liées à la coopération scientifique de chaque pôle. Le pôle Brésil, que je représente depuis 3 ans,
Il a son siège à l'IEA grâce à un accord établi entre les deux instituts en novembre 2017. Comme c'est mon dernière rencontre comme coordinatrice de l'IEA, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à tous et à toutes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et qui ont contribué au succès de ce travail. Tout d'abord, un grand merci à tous mes collègues de l'IEA, pas seulement à ceux qui ont une fonction au bureau de Paris, mais à toutes et tous qui appartiennent au doctorat, au groupe de doctorat ici parmi nous, avec lesquels on a eu un contact très enrichissant. Et je voudrais remercier aussi à toute l'équipe d'études avancées, professeur Paul Saudiva, l'ex-directeur, le directeur actuel, professeur Plonsky, Raphaël, Richard, Claudia, Fernanda, Fatima, Aziz, Sergio et Léonore. Je m'excuse si j'ai oublié quelques noms. Un grand, grand merci de l'accueil. C'était un grand plaisir de travailler avec vous et j'espère que ce partenariat puisse avoir une continuité et que ce soit très fructueux comme cette rencontre. Je ne pourrais pas non plus ne pas remercier professeur Hervé et souvenir professeur Nelly qui m'ont accueilli à l'Université de Saint-Paul, qui m'ont donné ces conseils si importants. Et c'est comme ça que ce partenariat a pu être si positif. Je remercie aussi aux partenaires français au Brésil, RND, SNRS, consulat, ambassade de France au Brésil, spécialement à Nadège, Vincent, consulat de France à Saint-Paul, un grand, grand merci à vous. Finalement, un grand merci aussi à professeur Maryse. C'est un grand, grand merci à vous. Pour ceux qui ne savent pas, elle est actuellement la responsable de ce partenariat IDEA-IEA. Et à partir du moment où elle a assumé sa fonction, elle nous a donné preuve de son dynamisme. Un grand merci de votre générosité, de votre accueil et évidemment d'avoir fait confiance à cette idée qu'au début a pu paraître un peu mégalo. Mais un grand bravo, nous sommes tous ici au nom de l'Institut des Amériques. Je voudrais aussi remercier à toutes et à tous qui ont travaillé avec un grand effort pour la réalisation de cette rencontre qui va discuter un sujet si important pour toute la société brésilienne pour que cette rencontre soit possible. Alors, le sujet, pourquoi nous avons décidé de mener cette rencontre, de discuter la loi du préfixe ou, comme nous l'appelons, la loi de la biodiversité. Comme dit Caroline Maria de Jesus, écrivaine importante de Brésil, qui n'a pas été reconnue quand elle était en vie, comme elle aurait dû être reconnue, comme elle nous a dit, le livre est la meilleure des inventions humaines. Je ne peux que être d'accord. Livre, c'est synonyme de culture, de connaissance, d'inclusion, mais c'est aussi de l'affection. L'idée de mener cette rencontre sur ce sujet nous est apparue justement quand nous sommes rendus compte que c'est extrêmement nécessaire de reprendre la discussion sur le prix du livre, vu le contexte du livre en sens large au Brésil, comme nous le savons, c'est aussi très agité. Comme la loi Langue, comme elle est connue, la loi de préfixe au Brésil, comme elle fête ses 40 ans de vie, cette année-ci, nous avons commencé à organiser ça au moment où nous avons su cela. Ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est que le gouvernement fédéral allait proposer l'idée d'une taxation sur le prix du livre, une taxation de plus, même si cela n'a pas avancé, mais cela nous a confirmé le besoin de promouvoir cette rencontre. La loi Langue, après cette quarantaine d'existence de vie, elle a un bilan très positif. Elle a pu atteindre ses objectifs plus importants. Bref, d'avoir un réseau de libraires indépendants partout en France, d'appuyer la diversité et la pluralité des publications. C'est aussi important de remarquer
qu'un des effets parallèles de la loi langue, c'est que les livres qui ont plus de marché, bref, le best-seller, ils ont toujours eu le même prix. Ils ont gardé le même prix. Mais les livres qui ne sont pas de best-seller, hein, ils ont eu le prix réduit, hein, et qui ont attiré les lecteurs qui n'auraient pas acheté les livres à partir de prix établis. À partir de ces politiques démocratiques, on peut avoir l'inclusion d'une participation citoyenne plus ample. Actuellement, la France dispose de 3200 libraires ou librairies indépendantes. Ça, elle se multiplie, ça ne s'est pas figé. Justement parce qu'il y a des politiques gouvernementales qui incitent cette activité et qui donnent un appui. Deux chercheurs en politique publique française, dont je n'ai pas écouté le nom, je m'excuse, il y a une politique publique qui mène de une politique, j'ai des problèmes de son, pardon. Cette définition qu'elle a l'heure est très limitée vu la contribution gouvernementale dans le développement des politiques. Toutefois, actuellement, un grand nombre d'études nous démontrent que cette action n'est plus menée seulement par le gouvernement. Même si nous pouvons déduire que l'activité publique a un rôle central dans le développement des publics, elle ne travaille pas toute seule parce qu'il y a les interventions des tiers parties qui ont d'autres logiques, d'autres priorités, d'autres intérêts. Voilà pourquoi ça fait plus de sens, surtout pour ce qui concerne la politique de la biodiversité, de cette rencontre, parler d'une action publique, parce que l'État n'est plus tout seul au centre de cette action. Et ce qui nous inquiète, ce n'est pas la conception pour ce qui concerne la production de l'État, mais une conception de construction collective de l'action publique. Je crois que cette rencontre sera une très bonne opportunité pour partager ces expériences à partir de différentes perspectives du sujet. Et j'espère aussi que cette rencontre puisse approcher le grand nombre d'acteurs et actrices, de chercheurs, des auteurs, des éditeurs, des libraires, des agents publics, pour qu'on puisse ensemble construire une action publique qui puisse protéger et promouvoir la biodiversité. Une fois de plus, un grand merci à toutes et à tous, à vous tous, pour participer avec nous de ce travail, de cette initiative et d'être avec nous ce matin, aujourd'hui. J'en suis sûre que notre passion du livre et notre coopération auront des résultats très positifs. Merci. Bon, malheureusement, nous avons des problèmes d'Internet. On doit être prêt pour avoir de petits problèmes de web, et je parlais justement de cette célébration, de cette commémoration de 40 ans de la loi langue, et puis nous donnerons suite aux discussions. Je vous disais justement que le Congrès discute aujourd'hui de la loi de façon à promouvoir l'équité de ses acteurs et que nous fêtons justement les 40 ans de la loi langue, justement à ce moment où le projet qui est discuté au Congrès national vise à discuter aussi le prix fixe au Brésil. La loi de prix fixe commun n'est pas quelque chose qui veut empêcher les distributeurs et toute la chaîne d'avoir des bénéfices, de faire des bénéfices. C'est non plus l'intérêt de déclencher une action contre ce mastodonte numérique. Il faut comprendre l'émergence des technologies de communication qui sont les nôtres actuellement et de comprendre que ce fait a déstabilisé le petit monde du livre de façon que les petits acteurs ont eu le défi, ont eu le pari de renouveler toute la chaîne logistique, aussi bien que la forme de produit. Le commerce électronique est un composant important de cette innovation, mais que dans le passé, aussi bien que dans le présent, ces changements de pratiques économiques et même de rapport de la relation du consommateur avec le produit
ont exigé des changements comme les antitrust et anti-dumping créés aux États-Unis sont de réponse à cette crise systémique en même temps qu'ils se présentent comme des mécanismes de contrôle des monopoles. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard le fait que le Sénat américain discute aussi de formes de régulation de campagne, comme nous a observé Eugène Bucci dans un site dont le nom je n'ai pas pu écouter, je m'excuse. Bucci nous dit on ne parle pas de gigantisme. La loi américaine, les grands comme Amazon, les GAFAM, hein, les cinq GAFAM ont eu ensemble en fin juillet le prix de 9,3 trilliards de dollars. Le chiffre d'affaires de 5 GAFAM dépasse le 200 millions. Et il dit évidemment, ces chiffres font peur. C'est absolument inédit et ça n'arrête pas d'augmenter. Question que je pose, est-ce que les GAFAM s'inquiètent vraiment de la liberté et du bien-être des citoyens, même si on considère que les citoyens, c'est juste une petite tranche qui puisse devenir une tranche des clients, de clientèle fidèle. Il faut comprendre aussi le rôle de la poste, des postes, avec le rôle logistique. Voilà une tâche impressionnante et importante pour le commerce à distance. Dans le débat de la loi prix, du prix fixe en France, il s'agit de ça aussi pour avoir un tarif minimum et fixe de logistique pour la poste. Il faut écouter tous les partenaires qui travaillent dans les centres urbains. Mais évidemment, il y en a d'autres qui travaillent dans le petit centre. Quels sont leurs projets? Quels sont leurs défis? Nous voulons comprendre la multiplicité du mot livre dans ce contexte si important, si particulier de changement de marché, mais aussi pour le soutien de lecture. Il faut nous poser des questions sur les lois qui régissent le marché latino-américain. Il faut qu'on puisse mieux connaître nos voisins. En 77, quand Jérôme Lindon était à la tête de l'association pour les prix Onyx, il nous a dit sans doute c'est la première fois que pour une première fois au sein d'un métier reconnu comme l'individualisme de ses membres, on voit la manifestation d'un spectre, d'un cadre si ample, si représentatif et si courageux. Leur rencontre pour une loi de la biodiversité est née dans cet esprit de la représentation et de l'audace. La représentation qui est aussi comprise, doit être comprise comme union. Nous avons de cette rencontre de représentants de la Chambre brésilienne du livre, le syndicat des éditeurs des livres, de la Libre, la Ligue brésilienne d'éditeurs et de l'Association nationale des libraires. Bref, de toutes les entités qui nous soutiennent, aussi mon grand merci et ma gratitude. Pour conclure, je remercie aussi aux participants, aux modérateurs, modératrices, à tous les intervenants qui ont accepté le défi de construire cette rencontre nationale, mais très intense parce que c'est 3 jours d'exposition et de débat. L'équipe DEA qui nous a énormément aidés dans la perfection qu'est la sienne toujours. Et grand merci. Et professeur Plonski aussi. Un merci spécial parce que vous faites signe toujours de cette action qui est la vôtre, d'énorme démocratie, pour nous laisser cette marge d'action. Vraiment un grand merci. Aussi un grand merci à toutes les équipes qui sont derrière nous pour le chat, Livia et Carol. Cette rencontre a été conçue pour un programme de chaire de l'État de São Paulo, franco-brésilienne. Voilà pourquoi je renouvelle mon grand merci au consulat de São Paulo et à la USP aussi pour avoir pu faire ce pont, aussi bien qu'à l'ambassade de France pour le soutien qui est la leur. Mais cette alliance, cette liaison avec la France n'est possible qu'à partir
avec le, à partir de partenariat avec mon amie Patricia Sorel, aussi bien qu'à la générosité des partenaires français qui ont accepté de venir avec nous. Alors, un grand merci. Finalement, mais aussi important que un grand merci à vous tous. Je vous remercie de votre présence, tout en espérant que nous soyons tous et toutes capables de transformer l'écran, hein, des ordinateurs, des portables, etc., que ces écrans puissent être un facteur de reproduction, analyse et multiplication de cette communication. Le moment actuel est très délicat parce qu'on veut construire sous les livres une image restrictif et négatif. Évidemment, il y a comme arrière-plan de cette approche une intention qui n'est pas la plus positive de démantèlement de cette politique. Évidemment, les éducateurs et tout le monde qui participe de cette discussion, de ce projet, ne veut pas axer ça sur l'État et la responsabilité de l'État et sa responsabilité de l'éducation de citoyens et citoyennes brésilienne. Il faut dire non aux taxations, il faut dire non à la barbarie et dire oui à la biodiversité, à la loi de la biodiversité. Un grand merci. Alors, Nadège, Madame Nadège, je vous incite, Nadège Mézier, on vous invite, comme attaché scientifique du consulat de France, on vous invite, Nadège, merci. Alors, un grand merci, Maryse. Je m'embrouille. Merci à vous deux et vous verrez aussi, je remercie Patricia Sorel et mon collègue Vincent Zonka dans ce que je vais dire tout de suite. Merci. À tous, je suis très là. Ce colloque représente un moment vraiment important dans cette année 2021. J'espère que vous m'entendez bien parce que je vois que ma connexion n'a pas l'air très bonne. Oui, ça va, très bien. Oui, donc ce colloque représente un moment important dans cette année 2021. D'une certaine manière, c'est un moment assez rassurant parce qu'il s'est enfin passé quelque chose, il se passe quelque chose d'important. On aurait évidemment espéré que ça se passe en chair et en os, qu'on soit tous là ensemble à l'IEA, rassemblés dans un auditorium et qu'on puisse ensuite aller boire un café, qu'on puisse ensuite aller boire ma caipirinha. Bon, ce n'est pas le cas, mais c'est déjà tellement, tellement bien et tellement heureux de qu'on se retrouve là tous ensemble derrière nos écrans malgré tout. Bon, je continue. Les travaux de Roger Chartier, Jean-Yves Mollier et Frédéric Bardier, tous trois historiens des livres, de la lecture, des éditeurs, des libraires ou encore des bibliothèques, sont reçus au Brésil avec beaucoup d'intérêt et leurs livres deviennent presque instantanément des classiques. Comme il en est toujours au principe de la circulation des idées et des livres, il y a un travail de médiation. Et je voudrais citer deux acteurs qui m'apparaissent en l'occurrence importants dans cette médiation des travaux de ces trois historiens. D'abord, un acteur institutionnel, l'ambassade de France, et plus spécifiquement son bureau des livres, qui offre un appui à la traduction souvent essentiel pour permettre aux éditeurs universitaires brésiliens de publier des travaux académiques français. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer le travail fait par mon collègue Vincent Zonka. Et puis, il y a aussi donc des acteurs individuel, et cette fois je pense à Marisa et à l'activité de médiation réalisée par Marisa Midori. Marisa qui a fait sa thèse sous la direction de Jean-Yves Mollier, qui a assisté à des séminaires de Roger Chartier, qui a été invitée par Frédéric Barbier au sein du LabEx Transfert, qui s'interroge dans ses travaux universitaires sur les circulations culturelles entre France et Brésil. Marisa est donc devenue aujourd'hui tout naturellement un rouage important dans le passage de la France vers le Brésil, des plus récents travaux historiques français sur le livre, la lecture, les éditeurs, etc. Toute mon estime va donc à ce travail de transmission et de médiation réalisé par Marisa. Mais il serait évidemment malheureux de ne voir que le chemin qui va de la France vers le Brésil.
Les chercheurs brésiliens sont aussi nombreux à contribuer à l'histoire du livre, des éditeurs et de la lecture. Les travaux de Marisa, par exemple, apportent de nouvelles lumières sur l'histoire française de l'édition au XIXe siècle et nous rappellent que la France a toujours été connectée à des ailleurs et qu'elle est aussi le produit des relations avec ces ailleurs. Un constat que la nouvelle génération d'historiens n'a de cesse de rappeler. J'en veux pour preuve le livre dirigé par Quentin de Luremoz, un jeune historien, qui doit paraître tout prochainement aux éditions de la Découverte, intitulé « D'ici et d'ailleurs, histoire globale de la France contemporaine ». Il y a donc les circulations, les transferts, les appropriations. Nadège, pardon, je crois que tu as touché le microphone, donc oui, ça y est. Alors, où est-ce que j'en étais? Est-ce que vous m'écoutez? Ouais, 30 secondes, et então, tem a circulação, as transferências, as apropriações, a ingestão, ou mais antropofagia, como se diz no Brasil, mas há também as cooperações científicas que participam e contribuem também para esses movimentos que tecem ligações entre os pesquisadores e países e que obrigam a ter esses estudos, teorias, ligações, avaliando outras tradições que permitem o enriquecimento do seu pensamento com outros pensamentos por ocasião de reencontros e colóquios que nos reúnem, como hoje mesmo, que virtualmente. Lembrando que esse colóquio é um ponto ápice dessa cooperação que a Marisa Midori e a Patrícia Sorel obtiveram dessa cooperação. O Consulado-Geral da França deu início a 10 anos dessa cooperação. E os parceiros do Estado de São Paulo são a USP, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade de Campinas, e a Universidade Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Esse programa de cooperação científica, que se dirige a todas as disciplinas, consiste em dar um apoio a todos os pesquisadores brasileiros e franceses em função de um princípio de reciprocidade. Incluindo os premiados de 2021, são 190 projetos que foram selecionados desde 2011, e o que é raro em programas de cooperação destinados a todas as disciplinas, as ciências humanas estão muito bem posicionadas dentre os projetos que foram selecionados. Evidentemente, no ano passado, no fim do ano, tivemos que, de maneira dolorosa, né, passar ao nível virtual. Nós tivemos um certo receio com a reação dos pesquisadores, mas 12 projetos foram selecionados, dentre os quais o da Marisa e da Patrícia Sorel, ou seja, a participação foi boa. Eu espero que esta seja o primeiro momento de uma cooperação longa e bela que eu faço questão de acompanhar. Eu citei duas organizadoras, a Patrícia e a Marisa, e eu gostaria de saudar também Livia a été durant 3 ans la coordinatrice du pôle Brésil de l'Institut des Amériques. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle et alors que sa mission vient de se terminer, je lui souhaite le meilleur pour la suite, c'est-à-dire d'abord et avant tout de terminer sa thèse. Pour finir, je vous souhaite à tous un très bon colloque et de fructueux échanges et encore bravo aux organisatrices, je sais qu'elles n'ont pas compté leur temps. J'espère aussi que cet événement, et vu les échos qui nous sont déjà parvenus, j'en en doute pas un instant, réussisse son pari de mettre au centre des attentions et au centre de l'arène politique au Brésil la question de la bibliodiversité. Que vivent les livres, les librairies physiques, les petits, les moyens et les grands éditeurs. Merci Nadège, merci beaucoup pour ces belles paroles. Eh bien, je passe tout de suite la parole à notre cher Vincent Zonka. Merci beaucoup Marisa, bon dia a todas et todos vocês. Uma dúvida, vocês preferem que eu fale em português ou em francês? Tem alguma preferência? Você que fique à vontade, Vincent. Tá,
Obrigado. Então, ao nome da Embaixada da França no Brasil e do escritor do livro que tenho o prazer... Alors, la bibliomaison, le bureau du livre à l'ambassade de France, j'ai le plaisir de commander depuis 2018. C'est une grande joie pour nous, vu le contexte en France et au Brésil, et c'est très important aussi pour la liaison entre la France et le Brésil et le contexte de libraire. Alors, un grand bravo à toutes les trois, Livia, Patricia et Marisa, pour la gestion et l'organisation d'un colloque si important, de cette rencontre si importante. Voilà pourquoi c'est vraiment un grand merci à vous trois, aussi bien qu'à la USP, à EHEAL, au BIF et d'autres institutions qui ont participé et qui participent de ce congrès, aussi bien M. Jacques Lang, qui nous donne le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, à Nicolas Roche, à tous les chercheurs émis professionnels français et brésiliens qui participent de ce congrès, aussi bien à tous qui participent et qui nous écoutent. Je voudrais aussi renforcer, après la participation de Nadège et ses mots si gentils, je voudrais aussi renforcer et remercier de notre liaison avec la Chambre du livre brésilien. Ça fait longtemps, je voudrais vous rappeler qu'au Brésil, à l'ambassade de France, nous avons un bureau de livres spécifique. Ça date déjà, ce département a déjà une vingtaine d'années et ce n'est pas très ordinaire d'avoir ça un peu partout. Je pense qu'il y a ce genre de bureau, juste une dizaine de bureaux de livres auprès des ambassades. Bref, pour nous, l'écosystème du livre au Brésil, il a une importance très importante, très spéciale, qui va lier cet échange intellectuel et d'édition et tout ça d'une façon très, très riche. Or, comme Nadège, j'espère bien que cette rencontre puisse avoir des résultats très positifs, puisse donner des fruits, que ce soit pour les libraires, les maisons d'édition, les petites, les moyennes, les grandes, pour que tout ça puisse avoir des résultats heureux. Et je voudrais vous dire aussi que c'est vraiment une grande joie pour moi de constater la résilience du marché du livre et la croissance et la naissance de nouvelles librairies depuis quelques années déjà. Je m'arrête là, je ne vais pas vous parler longuement. Aussi, un bravo à vous qui avez organisé cette rencontre. Je sais que c'est énormément de travail et un grand merci. Alors, merci Vincent, merci de vos mots, Alors, nous avons écrit ici, nous nous disions que c'est une grande émotion parce que ça a été une année de beaucoup de travail et un grand nombre de rencontres aussi, de grands plaisirs. Et le livre était au centre de tout ça. Alors, j'invite Fabien Lamarchetti à nous parler, elle qui nous aide énormément, surtout pour ce qui concerne le chat, mais qui va nous présenter aussi l'historique de ex-ministre de Culture et actuellement directeur de l'Institut du monde arabe, M. Jacques Lang, pour ses salutations. Bonjour à toutes et à tous. Je vais lire quelques annotations de chat. Serge nous dit bonjour, ça sera quelque chose de très spécial, ça sera historique. Marina Barcelos, notre collègue qui va participer dans la table ronde, dit bravo de l'initiative. Je vous salue, Marise, à toutes les femmes ici présentes, Leonardo Nobrega aussi. Bonjour, bravo de l'organisation pour cette rencontre si importante et si nécessaire. Je remercie d'autres salutations, d'autres remerciements que nous avons. Après l'ouverture de cette rencontre par la Commission, je voudrais vous présenter M. Jacques Lang, ex-ministre de la Culture, qui va nous parler, qui a un rôle central dans cette loi de préfixe en France, à côté de professionnels importants comme Jean Landon et Gallimard. Monsieur Gallimard, Jacques Lang est diplômé en sciences politiques, initié à l'Université de Nancy,
et conclue dans les années 60 à Paris. Dans ce parcours universitaire, M. Lang a été toujours lié aux activités du domaine du théâtre, qui l'ont mis en contact le plus proche avec des groupes de ce domaine dans son pays. En 64, il est devenu professeur attaché de droit à l'Université de Nancy, et ce qui a été une consolidation de sa carrière dans ce domaine à l'Université de Nanterre. Dans les années 70, elle est devenue membre du Parti socialiste, développée une activité plus engagée, occupée un grand nombre de fonctions publiques et de mandats parlementaires aussi. Ses gestions, dont les trois plus importantes sous la présidence de M. François Mitterrand, entre 81 et 86, comme ministre de la Culture, ministre de la Culture et Communication entre 88 et 92, et ministre de l'État et de la Culture entre 92 et 93. Il a aussi été ministre sous la présidence de M. Jacques Chirac, de ministre de l'Éducation nationale entre 2000 et 2002. Actuellement, il préside l'Institut du monde arabe à Paris. Depuis, comme on va commémorer aujourd'hui 40 ans de la loi fixe qui porte son nom, la loi Lang, nous pouvons dire qu'en avril de cette année, la troisième fête de la librairie a justement fêté à commémorer le marque important établi par cette loi et a célébré aussi le rôle de librairie et de libraire qui développe un rôle essentiel pour la défense face, et on peut fêter ça aussi, ils ont fêté ça, face aux défis établis par la COVID. En 24 d'avril, par 21 par la Libre Zivdo, Jacques Lang a dit « Un pays doit garder l'esprit et le corps matériel. Voilà l'âme d'un pays. Sa défense historique, ce maintien historique et aujourd'hui motive le débat brésilien. » Voilà, nous invitons maintenant nous invitons à écouter le message du ministre, de monsieur le ministre, pardon. Bravo. Parabéns. D'envisager l'adoption d'une loi sur le prix unique du livre. Par expérience, je sais que ce n'est pas facile. Et on se heurte souvent à des lobbies, à des groupes de pression, aux doutes. Mais il faut faire preuve de conviction et d'entêtement pour faire adopter un texte qui pourra contribuer à sauver la littérature brésilienne, l'édition brésilienne et les lecteurs brésiliens. En France, nous avons adopté un tel texte voici 40 ans. Je me souviens qu'à l'époque, beaucoup étaient hostiles, pensant que les prix des livres allaient augmenter, ou que ce système était beaucoup trop vertical, en confiant aux éditeurs un pouvoir jugé excessif. Je peux simplement dire que l'expérience a montré que cette loi sur le prix unique du livre a sauvé les libraires. Nous avons aujourd'hui 4000 libraires en France. Et ces libraires constituent le socle à partir duquel une variété éditoriale peut se démultiplier. Sans les libraires, c'est la loi de quelques grandes surfaces ou de quelques supermarchés qui impose des best-sellers ou des ouvrages purement commerciaux. Et je vois autour de moi et autour de notre pays que les pays européens qui n'ont pas adopté un tel système connaissent une situation dégradée. Je ne veux pas citer de nom de pays, mais la plupart des pays voisins, hélas, n'ont pas retenu un tel système. Alors je me permets de dire aux amis brésiliens, tenez bon, tenez bon. Naturellement, il faut adapter cela à la réalité brésilienne. Mais un tel texte sera un signe fort de l'engagement du Congrès brésilien en faveur de la culture, en faveur du livre, en faveur de la littérature et en faveur de l'édition. Je pense que vous réussirez, je pense que vous parviendrez à surmonter les obstacles et sachez que, ici en France,
Nous sommes très attentifs et très amicaux vis-à-vis de vous. Nous vous souhaitons le meilleur et nous vous accompagnons par la pensée et par le cœur. Et nous espérons que vous pourrez finalement adopter ce texte sur la loi, sur le prix unique du livre. Et ce sera pour nous aussi une fierté que le Brésil, le grand Brésil, ce grand pays de culture, ait choisi ce système de protection des écrivains, de protection des éditeurs, de protection des libraires, de protection des lecteurs. Bon courage, patience, entêtement, et à bientôt, et bonne chance. Bon, sigamos os conselhos do Alors, si on va suivre le conseil du ministre, nous allons tâcher de le faire. Pour faire la clôture de cette cérémonie, on approche notre horaire. Professeur Plonski a un emploi du temps très serré, c'est presque 10 heures. Je vous remercie, professeur Plonski, de votre présence. Je c'est promis, je ne vais pas vous appeler pour dire revenez, revenez. Bref, pour faire la clôture de cette cérémonie, je voudrais présenter notre compagne de route, Madame Patricia Sorel, professeure de Paris-Nanterre, un grand professeur qui va nous parler du métier de Paul, le métier du livre. Et à partir de sa participation, on entame la dynamique des autres travaux. Chère Patricia, je vous invite. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis l'organisation de ce colloque, notamment l'Université de Sao Paulo, l'Institut des Amériques, le Consulat général de France, l'Ambassade de France et la Chambre brésilienne du livre. Un merci tout particulier à Marisa Midori Daito, qui a été la chef d'orchestre dans l'organisation du programme. Je me joins à mes collègues brésiliens pour vous dire tout le plaisir que j'ai à vous accueillir à ce colloque, qui est une belle illustration des liens qui unissent la France et le Brésil, notamment leurs relations littéraires. Il suffit de rappeler que le Brésil a été à deux reprises, en 1998 et en 2015, l'invité d'honneur du Salon du Livre de Paris. Plus personnellement, cela fait maintenant plusieurs années que je mène des projets de recherche avec Marisa, car nous partageons un même sujet d'étude, le livre, média qui a joué un rôle essentiel dans la circulation des savoirs et les processus de transfert culturel. Ces projets de recherche ont donné lieu à plusieurs colloques, plusieurs publications, et nous continuerons cette riche collaboration fondée sur une solide amitié. Dans notre monde actuel, où le livre est omniprésent, où le numérique est omniprésent, le livre occupe encore une place essentielle. Et c'est pourquoi la loi Langue, votée il y a 40 ans en France, conserve toute son actualité et toute son importance. Adoptée dans divers pays du monde, elle ne cesse d'être une référence et elle sera notre fil rouge durant ces 3 jours. Je ne doute pas que les échanges entre professionnels du livre, universitaires, chercheurs et acteurs politiques ici réunis seront riches, fructueux et contribueront à faire avancer le débat sur la mise en place, à l'échelle du Brésil, d'une législation préservant la diversité éditoriale. Ils permettront tout au moins de réaffirmer les enjeux de la bibliodiversité et la volonté de construire ensemble l'avenir du livre. Merci à toutes et à tous de votre présence. Muito obrigada, Patricia. Grand merci, Patricia. C'était un grand plaisir, c'est un grand plaisir de travailler avec vous. Comme nous a dit Madame Nadège, cette équipe, elle est tellement réussie que je rêve déjà d'autres projets à partir de cette liaison profonde entre France et Brésil. D'après notre programme, nous avons maintenant la présence du directeur du BF, Monsieur Nicolas Roche, tout en espérant qu'il puisse nous rejoindre. Vincent, dites-nous où est-ce que nous en sommes. Merci Marisa, merci Patricia de vos mots.
Je pense que Nicolas essaye de se connecter parce qu'on est un peu d'avance. Je pense que dans une minute ou deux minutes, il sera avec nous sur cette plateforme. Je vous demande à tous de patienter un peu. Ce n'est pas facile de coordonner toutes les, à la minute près quand c'est une visioconférence, surtout parce qu'il y a ce décalage horaire de 5 heures. Je vois la présence de M. Gouin, Mme Françoise Benamon, je vois Jean-Yves Mollier aussi, il est déjà là. Je vois Mme Benamou est là, mais là, nous avons la présence de M. Nicolas Roche, le directeur du Bureau international de l'édition française. Et je vous invite, Vincent, à lui donner la bienvenue. Alors, merci, Maryse. Bonjour à Nicolas, qui est parmi nous, qui est avec nous pour cette rencontre. Bienvenue, sois bienvenue, Nicolas. Alors, je vous salue, je salue à tous autres collègues, Françoise, Jean-Yves, et en particulier M. Jean-Yves Mollier et Mme Françoise Benamou. Et je vais vous présenter M. Nicolas Roche. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur d'édition en France. Au début, il était éditeur de Gallimard Jeunesse. Et puis, il a assumé des responsabilités dans plusieurs maisons d'édition comme RS Nathan, Manier Weber, Proupera, avant de devenir le directeur général des éditions Stock et puis les éditions du Centre Pompidou à Paris. Nicolas Roche est actuellement le directeur général de BF, le Bureau international de l'édition française, et je tiens à vous remercier, Nicolas, de votre présence. Grand merci. Merci, merci beaucoup, Vincent. J'espère que vous m'entendez bien. Tout va bien. Et je remercie, je profite toujours pour remercier l'interprète qui travaille pour ce genre de rencontre. Bravo et merci. Alors, je suis impressionné de vous voir tous. Enfin, je vous vois pour certains d'entre vous. Et puis, il faut que je fasse attention à ce que je dis, puisque je vois qu'il y a Jean-Guy qui est un petit peu plus bas dans l'écran et qui m'a précédé dans ses fonctions au BIEF et qui connaît évidemment très bien cette structure. Je remercie Vincent de m'avoir proposé de dire quelques mots, peut-être pour resituer notre action, les dispositifs que nous proposons et puis peut-être partir du constat de ce que l'édition française est aujourd'hui à l'international. Vous savez sans doute que le livre français est assez bien repéré, puisque le français est la deuxième langue la plus traduite dans le monde après l'anglais. On a l'habitude de commencer des présentations en faisant des petits cocoricos. Vous savez, on a l'impression qu'on est meilleur que tout le monde en France. Mais c'est vrai que grâce à la production des éditeurs français, aux auteurs, aux illustrateurs et aux maisons d'édition, on a aujourd'hui une chaîne du livre qui est très tournée vers l'international, grâce notamment depuis quelques années à la volonté dans les maisons d'édition, dans les groupes d'édition, d'être bien organisés en termes de personnel, de formation, pour faire en sorte que dans les maisons d'édition elles-mêmes, notamment les responsables de droit, soient vraiment les personnalités les plus qualifiées pour être les meilleurs impresarios des auteurs ou des illustrateurs, à la différence de certains marchés mondiaux comme les marchés anglo-saxons où sans doute aux côtés des éditeurs et des groupes eux-mêmes, les agents sont beaucoup plus présents que sur le marché français, même si depuis peu, il commence évidemment à avoir une fonction très importante aussi. Donc, ces succès, ils sont dus tant à la qualité de la production éditoriale qu'à la manière dont les éditeurs français sont organisés et accompagnés, je crois, dans leur développement international. C'est vrai qu'on a la chance
en France, au-delà de tous les dispositifs dont vous avez pu peut-être parler il y a quelques minutes, parce que je vous ai rejoint il y a quelques minutes à peine, mais notamment cette fameuse loi sur le prix unique du livre, dont on fête l'anniversaire, qui a été extrêmement important pour la structuration du marché domestique français. Et il faut dire que nous avons la chance d'avoir en France des pouvoirs publics et des professionnels du livre qui considèrent que le développement des industries culturelles créatives, c'est un véritable enjeu, un enjeu de diplomatie culturelle, un enjeu de circulation des œuvres et des idées, bien sûr, et aussi un enjeu économique. Et grâce à eux, puisque l'action du BIEF, dont je vais vous donner un petit aperçu dans quelques instants, grâce à ces pouvoirs publics, nous avons les moyens de travailler en étant bien organisés. Le BIEF est la structure professionnelle, je crois, la plus identifiée aussi bien par les éditeurs français, les éditeurs qui sont nos adhérents. Nous sommes une association et les éditeurs français sont nos adhérents. Il y a environ 280 maisons d'édition qui sont adhérentes du BIEF. Et notre vocation, c'est d'essayer de les accompagner au mieux, de relayer leur action entreprise dans leur maison pour le développement de leur vente aussi bien sous forme d'export, c'est-à-dire de livres français produits en France pour notamment les pays francophones où ces livres sont envoyés, et évidemment pour les cessions de droits et les coéditions qui sont évidemment un secteur très, très important. Je vous l'ai dit, 12 000 contrats de cession de droits, 2 000 contrats de coédition qui sont les chiffres 2020 dans une année qui est plutôt légèrement orientée à la baisse, avec une baisse de 2,6% du nombre de cessions de droits, une baisse un peu plus marquée pour les coéditions, notamment dans la jeunesse, qui ont beaucoup souffert de l'absence d'événements internationaux. Ces projets-là sont en baisse de 14%. Donc, on le voit, même en année difficile, les Français conservent une espèce de force de projection à l'international qui reste très importante. Ce travail, je le dis, il est rendu possible par la mobilisation des pouvoirs publics, des éditeurs français, puisque c'est toute une chaîne qui est absolument essentielle. Vincent Zonka est là pour en témoigner. Nous nous appuyons chaque jour, presque chaque jour, sur les responsables des bureaux du livre à l'étranger, lorsqu'ils existent, lorsqu'ils n'existent pas auprès des attachés culturels ou voire des conseillers culturels dans les ambassades. Mais évidemment, ce travail au quotidien qui est fait pour les éditeurs français et vers les professionnels que vous êtes localement, il est fait par les instituts français, et il faut encore une fois reconnaître la très grande qualité et la très grande importance de ces relais à l'étranger qui proposent dans un nombre très important de pays par ailleurs des programmes d'aide à la publication qui permettent justement à ces projets français de voir le jour à l'étranger. C'est extrêmement important. Comment on se situe, nous, BIEF, au milieu de tout ça? Le BIEF est une association qui existe sous des noms variés depuis bientôt 150 ans. Donc, on commence à avoir un tout petit peu d'expérience. Notre action porte principalement sur trois points. La première, c'est d'assurer la présence collective des éditeurs, enfin sur le stand collectif français lors des grands temps forts internationaux, des grandes foires mondiales que vous connaissez, qui peuvent être Guadalajara, Bologne, Francfort, et un peu partout dans le monde, des foires asiatiques ou d'autres. Évidemment, ce sont des événements qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire, évidemment, et qu'on a remplacé en grande partie par des événements digitaux depuis 18 mois. Deuxième sujet, c'est que nous organisons en France ou à l'étranger des rencontres généralistes
ou thématique. Il y a 15 jours, j'étais à Bucarest pour, dans le cadre de rencontres entre les éditeurs français de livres jeunesse et d'éditeurs roumains. Donc, on vient à la rencontre des éditeurs locaux et c'est évidemment l'occasion d'échanges très fructueux, l'occasion de parler business, bien sûr. Et grâce encore une fois aux attachés livres et à notre propre travail au BIEF, d'être en capacité de ramener vers ce genre d'événement des éditeurs que les Français connaissent déjà bien, et c'est l'occasion de raffermir les liens avec eux, mais également de discuter avec des nouveaux entrants dans les différents secteurs. Je pense, en l'occurrence, il s'agissait de livres de jeunesse. Il y a souvent, en tout cas en France, beaucoup de maisons d'édition qui se créent. On a besoin de réactualiser nos connaissances, de réactualiser des annuaires, des organigrammes, et de mieux comprendre les logiques de construction de catalogues des maisons d'édition. Et c'est ce qu'on essaie de faire lors de ces rencontres qui sont très qualitatives puisqu'elles laissent plus de temps aux professionnels pour échanger que lors des foires où les rendez-vous se tiennent sur un laps de temps très limité qui permet en général juste de se concentrer sur les objectifs majeurs, les objectifs éditoriaux du moment. Donc, beaucoup de rencontres sous différents formats. Nous organisons des fellowships qui permettent de faire notamment venir à Paris un certain nombre d'éditeurs étrangers, de jeunes éditeurs étrangers, qui permettent encore une fois une mise en relation très directe entre les professionnels. Et puis, le troisième point, c'est tout ce qu'on peut constituer comme base d'information, base documentaire pour les éditeurs français, pour bien appréhender les marchés mondiaux, que ce soit sous forme d'études généralistes ou thématiques, sous forme d'organigrammes, sous forme d'annuaires, qui permettent encore une fois aux professionnels français de bénéficier d'informations très, très pratiques dans leur métier au quotidien pour ne pas perdre de temps à identifier les bons acteurs sur les secteurs sur lesquels ils sont présents. Et puis évidemment, la crise sanitaire a été l'occasion de tester beaucoup de nouveaux outils, encore une fois en accompagnement de ce que faisaient ou de ce que se sont mis à faire les éditeurs français. On a aussi bien réalisé des catalogues digitaux pour le compte des éditeurs français, en anglais, en espagnol, en chinois, en coréen, dans beaucoup de langues qui ont pu être diffusées par email, via les réseaux sociaux pour les éditeurs étrangers qui ont beaucoup porté de fruits. On a organisé beaucoup de webinaires comme vous, beaucoup de rencontres sur toutes les plateformes que nous nous sommes mis à connaître sur le bout des doigts. Nous avons organisé au mois de mai une French Week qui était notre première expérience pour mettre en relation sur une plateforme digitale une vraie prise de rendez-vous entre les éditeurs français et les éditeurs étrangers. Et beaucoup d'éditeurs sud-américains ont participé à ces rencontres, je dois dire, qui nous ont permis de réaliser des vidéos donnant du contenu sur l'actualité des grands secteurs éditoriaux en France, des vidéos sous-titrées en anglais, je le regrette, pas en brésilien, permettant en quelques minutes d'essayer de savoir où en était le marché français et peut-être de vous aider à mieux anticiper les rendez-vous avec les professionnels français. Et puis là aussi des catalogues, des e-catalogues réalisés à l'occasion de ces rencontres. Donc on a testé beaucoup de formats, on a fait des pitch vidéo aussi qui ont permis à des éditeurs de BD par exemple de présenter leur titre best-seller sur lequel ils avaient ils estimaient le plus grand potentiel, proposer en 2 minutes, 2 minutes 30 de présenter un livre, et le BIEF propose en même temps
une présentation avec des pages intérieures, etc., le tout avec des interprètes comme on le fait aujourd'hui. Donc, on a rodé beaucoup de formats et un des enjeux des mois à venir, de l'année à venir, c'est de voir de quelle manière un programme en présentiel, un programme un peu classique, va pouvoir reprendre dans un certain nombre de pays, principalement en Europe, parce que c'est plus facile de voyager en ce moment que peut-être dans d'autres zones géographiques où il existe encore des contraintes administratives ou sanitaires qui empêchent les éditeurs de voyager. Quelquefois, d'ailleurs, les groupes, qu'ils soient en France ou à l'étranger, donnent instruction à leurs salariés de ne pas encore voyager. Donc, on le voit bien, la foire de Francfort, la semaine prochaine, qui est d'habitude la grande occasion, le grand lieu de rencontre de l'édition mondiale avec quasiment 7000 maisons d'édition qui s'y retrouvent. Cette année, si elle arrive à rassembler 40% des éditeurs habituellement présents, ce sera sans doute un maximum. Donc, une reprise progressive des événements en présentiel, et je crois qu'en tout cas pour les éditeurs français, il y a une très grande volonté de reprendre des contacts, des vrais contacts, et d'arrêter un petit peu Zoom si on arrive à le faire, parce que nous avons un métier de contact et beaucoup de projets peuvent être certes discutés par Zoom, mais d'autres sont discutés à l'occasion d'une rencontre sur un coin de stand en buvant un café, et les projets il se crée aussi dans ce off qu'on n'arrive absolument pas à recréer sous un format digital. Donc, il y a beaucoup d'envie. Et comme je vous l'ai dit, la première rencontre qu'on s'est mis à réorganiser, c'était en Roumanie. Et on n'a jamais eu autant d'éditeurs candidats pour être présents à ces rencontres, alors que la Roumanie n'est pas connue, en tout cas de mon point de vue, pour être une des principales destinations touristiques. Donc, il y a cette très forte volonté de reprendre le présentiel, de garder le meilleur du digital, et donc un des enjeux, c'est de voir quel va être cet équilibre dans ce que nous allons pouvoir proposer aux éditeurs français, et puis de voir si la crise sanitaire a eu des impacts sur les organisations, les méthodes de travail et les budgets des éditeurs pour participer à ces différents dispositifs permettant de se rencontrer à l'international. Donc, on reste prudent, on reste attentif aux différentes évolutions, zone par zone, pays par pays, pour voir ce qu'on va être en mesure de faire, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue d'organisation, pour multiplier les contacts avec les professionnels mondiaux. Voilà en quelques mots, mais j'ai déjà pris un petit peu de temps, un quart d'heure, pour vous présenter les actions du BIEF. Et je suis là, évidemment, pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Muito obrigada, Sr. Nicolas Roche. Alors, Monsieur Nicolas Roche, grand merci. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Quand Vincent a proposé la présence du directeur du BIEF, nous connaissions déjà M. Guy Boin, mais on a dit évidemment c'est important pour nous, c'est essentiel, parce que pour ce débat, pour bien mener ce débat de la loi de prix fixe, nous avons songé à cette relation, à cette liaison si ancienne et si forte entre les libraires français et brésiliens. Je ne sais pas si vous le savez, le premier libraire sont arrivés au Brésil à la fin du XVIIIe siècle. C'était les libraires d'origine française. C'était de Français, le colporteur, qui sont partis de France. Ils sont allés au Portugal et puis ils se sont installés à Rio. Si vous me permettez, j'ai une question pour vous. La bibliodiversité, c'est le grand parapluie, c'est la plage de notre discussion, c'est le parapluie sous lequel nous pensons que le prix unique, c'est le point de départ, mais il faut aller au-delà.
parce que nous voulons arriver à une idée ou à des multiples idées de ce que pourrait être ou pourra être la biodiversité. Comment le Bureau international voit cette question, comprend cette question de la biodiversité, surtout la France, en particulier la France, qui a cette présence en francophonie mondiale si importante, si forte, surtout cette présence soulignée par les livres. Pour le BIEF, c'est quoi cette biodiversité? Et organisez-vous de campagnes? Est-ce que cela fait partie de vos horizons pour votre travail, pour toute la plage de travail dorénavant? Vous avez déjà entamé quelque chose dans ce sens-là? Merci pour votre question. Jean-Guy vous a certainement évidemment parlé de l'aspect biodiversité dans la loi du prix unique et à quel point elle avait permis de la sauver et de la pousser. En l'occurrence, si ce sujet-là ne rentre peut-être pas complètement dans nos missions, nous n'en sommes pas du tout complètement absents. D'abord, nous avons vocation à aider, à accompagner les éditeurs français, quelle que soit leur taille. Nous aidons aussi bien les maisons d'édition de grands groupes que de petites maisons d'édition indépendantes et de petites maisons d'édition qui se créent. Et c'est pour nous très important d'affirmer haut et fort que nous aidons tout le monde de la même manière. Et quand je dis ça, ce n'est pas simplement un discours, c'est aussi, par exemple, proposer des conditions d'adhésion pour nous qui sont en rapport avec le chiffre d'affaires des maisons. Et évidemment, une petite maison d'édition qui a un chiffre d'affaires limité, nous proposons des conditions d'adhésion qui sont particulièrement basses, qui leur permettent d'accéder à nos différents dispositifs. Donc, c'est pour nous extrêmement important de travailler pour tout le monde et pour tous les segments éditoriaux. Quand d'une manière générale les gens pensent à l'édition française, ils ont tendance à parler d'abord de littérature et de sciences humaines et sociales, parce que vous avez été élevé peut-être avec les grands noms de la littérature française, les grands noms des sciences humaines des années 60, 70, Bourdieu, Derrida, Foucault, etc. Et c'est encore une petite musique qui nous parle. Mais aujourd'hui, il y a quantité de nouvelles voix qu'il nous faut faire entendre. Et nous le faisons évidemment sur la littérature et sciences humaines, mais nous avons exactement la même démarche pour les autres secteurs éditoriaux. Tout à l'heure, je citais les chiffres du Syndicat national de l'édition sur le nombre de contrats qui ont été signés l'année dernière. Il faut savoir que 60% de ces titres sont des titres de jeunesse ou de bande dessinée, ce qui est considérable et qui témoigne de la vitalité de ce secteur. Donc, nous avons aussi l'ambition de pousser l'idée que la France est bien présente dans tous les secteurs et qu'elle embrasse vraiment tous les secteurs éditoriaux. Par exemple, l'autre jour, je vais reprendre cet exemple de Bucarest, j'étais en train de présenter le secteur de la bande dessinée française, et on a tendance à enfermer la bande dessinée dans un secteur qui intéresse les enfants. En France, mais évidemment dans un certain nombre de pays, la bande dessinée est aussi représentée par le roman graphique. Et une des spécificités du roman graphique aujourd'hui en France, c'est de permettre de parler absolument de tous les sujets à des populations très variées. Les lecteurs de bandes dessinées des années 50-60 qui étaient enfants sont devenus des parents et ont des enfants auprès de qui ils mettent entre les mains eux-mêmes des bandes dessinées. La bande dessinée est devenue intergénérationnelle, et ce qui permet aujourd'hui de la nourrir d'autres sujets
qui couvre, à vrai dire, l'ensemble des problématiques, qu'elles soient sociétales, politiques ou fictionnelles. Et l'intérêt du roman graphique, et par rapport à un certain nombre d'autres pays, c'est que ça touche absolument tous les sujets. Et lorsque nous parlions avec nos amis roumains, on voyait bien qu'ils étaient très heureux de cette diversité, cette bibliodiversité. C'est-à-dire que ce qu'on essaie d'expliquer, de montrer aux éditeurs étrangers, c'est que l'édition française, aujourd'hui, je ne sais pas comment la traductrice va traduire ça, mais elle tire tous azimuts, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous en partant de tous les types de supports. Et c'est ce dont nous faisons la promotion, c'est peut-être la question que vous me posiez, c'était de savoir de quelle manière ça se traduisait pour l'industrie éditoriale. C'est que peut-être à la différence d'autres, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit facile de parler de tous les sujets sociétaux en Hongrie ou en Pologne, c'est d'expliquer que les Français, eux, ils ont bien l'intention de traiter de tout, de toutes les manières, quelquefois de manière provocante, quelquefois ça a pu être reproché et quelquefois avec des résultats dramatiques, mais en tout cas d'affirmer haut et fort que les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs ne s'interdisent rien et que nous les aiderons de la même manière à promouvoir leurs titres à l'international. Merci. Vincent ? Merci beaucoup, Nicolas, pour ces mots. Merci, monsieur Nicolas. Je voudrais juste rajouter quelques mots, surtout parce que ça résonne au Brésil de façon particulière. C'est vrai qu'au Brésil, il y a une traduction importante de traduction des sciences humaines, de société et la sagesse, la France série, les années 60-70, comme vous avez souligné. Bref, notre travail, c'est vraiment de montrer la bibliodiversité contemporaine de ce qui est publié en France actuellement, que ce soit pour la BD ou de la pensée francophone, le roman contemporain en particulier. Alors, je voudrais vous dire que nous envisageons un partenariat avec BF et SNEL, quelques rencontres professionnelles virtuelles entre les maisons d'édition françaises et brésiliennes dans le premier semestre de 2022. Et ça sera une opportunité de renforcer cette liaison entre les maisons d'édition françaises et brésiliennes à partir d'un grand nombre de thématiques, que ce soit la BD, la jeunesse ou des livres illustrés ou le roman. Et pour conclure, je voudrais vous dire aussi que je suis très content. C'est une grande joie de ces rencontres présentielles, de ces rencontres de la presse de la jeunesse Montreuil. Nous aurons cette occasion en décembre. Nous avons aussi le Festival d'Angoulême en janvier 2022, le Salon de livres de Paris en avril 2022. Et c'est une joie pour nous. Merci Nicolas, merci Marisa. Merci Vincent. Alors, sua generosa participação. Alors, merci, Monsieur Roche, de votre généreuse participation. J'espère pouvoir boire un petit café avec vous à São Paulo, même si nous vivons actuellement en monde globalisé, dans le mauvais sens, pas mondialisé, mais on peut toujours boire un vrai café paulista à São Paulo. Alors, merci de votre participation. Si vous voulez rester avec nous, ça sera un énorme plaisir. Mais si vous devez nous quitter, nous comprenons. Grand merci. On vous attend pour le café chez nous. Merci. Merci. J'accepte avec plaisir la proposition et je rêve du moment où ce sera rendu possible. Et je voudrais toutes et tous encore une fois vous remercier de votre attention et je vous laisse prolonger vos échanges. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Alors là, nous sommes à 30 minutes de la prochaine table ronde et nous devons nous préparer un peu parce que vous qui êtes là depuis 9h, vous ne savez peut-être pas que nous sommes tous ici depuis 8h30. Surtout parce que moi-même, je dois boire une goutte d'eau pour ma gorge. Je m'excuse pour s'il y a eu de soucis.
si besoin. Ah d'accord, j'ai demandé à l'interprète de traduire cette petite vidéo produite en France et qui est très didactique, de façon très pédagogique, d'expliquer comment fonctionne le marché. Et moi-même, je dis à Maryse, on va le faire, c'est génial, parce que c'est très pédagogique, ça explique, c'est très intéressant, ça nous donne cette dimension du marché et aussi bien que, et culturel du livre, aussi bien que le rôle de l'État français dans la régulation. Pourquoi le marché du livre est-il encadré ? En France, depuis la loi de 1981 sur le prix unique du livre, un livre est obligatoirement mis en vente au même prix partout, quelle que soit la période de l'année et le point de vente. Grande surface spécialisée, hypermarché, librairie traditionnelle ou encore librairie en ligne, par exemple. La possibilité de rabais est limitée à 5%. Prenons l'exemple d'un roman. En moyenne, 8% sont destinés à l'auteur. Ce pourcentage peut varier selon sa notoriété. En effet, certains sont en position de négocier des droits plus importants, jusqu'à 15%, et très exceptionnellement au-delà. Pour un livre illustré, ces droits d'auteur sont partagés entre l'auteur et l'illustrateur. Ensuite, 29% sont destinés à l'éditeur. 6% du prix du livre concerne les frais de création, c'est-à-dire le travail de mise en page, par exemple. 4% concerne les frais de publicité. 5% concerne les frais de diffusion du livre, c'est-à-dire le travail effectué par les commerciaux pour présenter les livres dans les points de vente. 15% permettent à l'éditeur de payer son personnel, ses locaux et de faire des bénéfices. 10% concerne les frais de fabrication. Réduits pour un roman, ils augmentent pour un beau livre avec impression spécifique. Les droits d'auteur et les frais de fabrication sont les parts les plus variables. Enfin, 11% sont destinés aux distributeurs en charge du stockage, du transport et de la distribution des livres. 36% sont destinés aux vendeurs qui doit, avec cette part, rémunérer son personnel, payer ses locaux et ses impôts. S'il parvient à faire du bénéfice, celui-ci se situe autour d'un ou 2% du prix du livre. 5,5% sont destinés à l'État via une TVA réduite, le livre étant un bien culturel. Contrairement à ce modèle, quand le prix du livre est libre, comme en Grande-Bretagne par exemple, les prix sont tirés vers le bas. La grande distribution y arrive bien mieux que les libraires indépendants. Elle peut baisser ses marges sur les livres et en faire plus sur d'autres produits. Les vendeurs font alors pression sur les distributeurs, qui font pression sur les éditeurs, qui font pression sur les auteurs. En France, le prix unique a été mis en place pour solidariser les acteurs de la chaîne du livre, soutenir le réseau des librairies indépendantes et favoriser la diversité culturelle. Bom, como eu disse, era um vídeo pequeno, mas pode ser ali uma chave de ligação com a próxima. É um vídeo très curto, mas ça peut établir un point de basculement vers la prochaine discussion, à la discussion que commence à 11h, parce qu'on parle déjà du livre point de vue français. Une table ronde intitulée « La loi langue, le temps de la politique, de l'économie et de la culture ». Nous avons trois participants pour cette table ronde. Jean-Yves Mollier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, en France donc. Nicolas Georges qui dirige le service du livre et de la culture au sein du ministère de la Culture, et Françoise Benamou, professeure d'économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord et à Sciences Po Paris, qui est également coprésidente du Cercle des économistes. Voilà, donc je vais d'ores et déjà, et sans plus attendre, donner la parole à Jean-Yves Mollier,
qui va nous présenter donc une conférence sur la loi langue et les mutations du livre, bilans et perspectives 1981-2021. À vous la parole, Monsieur Mollier. Merci. Je passe la parole à Nicolas Georges, peut-être. Oui, exactement. Oui, oui. Bon, c'est Nicolas Georges qui va parler, puis on te récupère après, Jean-Yves. Ok, entendu. Merci. Bon, alors désolé pour ce problème technique. Nous espérons que nous allons retrouver Jean-Yves Mollier d'un instant à l'autre. En attendant, nous allons donc passer la parole à Nicolas Georges. Donc Nicolas Georges qui va nous donner une conférence sur la loi langue, une approche politique d'une question économique. Nicolas Georges, donc à vous la parole, de manière beaucoup plus rapide qu'on ne l'aurait espéré. Merci, aucun souci de mon côté. Si vous me le permettez, je vais garder ma vidéo fermée, non pas parce que j'ai des problèmes et je ne souhaite pas me présenter au public, bien au contraire, mais c'est pour épargner ma bande passante et je ne voudrais pas avoir ou rencontrer les embarras du professeur Mollier. Donc, si ça n'embête pas nos interlocuteurs et l'ensemble du public, je garde la vidéo fermé et je la réouvrirai tout à l'heure pour le débat, s'il y en a un, puisque c'est aussi bien, il s'agit d'une table ronde, vous l'avez rappelé. Donc je salue bien entendu l'ensemble des organisateurs, merci d'avoir pris la peine d'inviter le ministère de la Culture, que je représente comme directeur du livre, pour présenter à l'ensemble de nos amis brésiliens, aussi bien, je suppose, ceux qui sont convaincus par leur combat que ceux qui ne le sont pas, parce que ces problématiques de loi de prix fixe dans les pays qui ne l'ont pas adopté et qui souhaitent l'adopter posent en général des problèmes et des débats que M. Mollier allait rappeler à l'instant. J'étais il n'y a pas très longtemps, une dizaine de jours, au Salon du Livre de Prague, qui ne s'était pas tenu depuis 18 mois et qui rouvrait ses portes pour la première fois depuis aussi longtemps. Et chez nos amis tchèques, eh bien, un débat très actif se pose également pour savoir s'il faut introduire en République tchèque un système de prix fixe ou pas, et c'est assez étrange de voir qu'à chaque fois qu'on se pose cette question, on appelle la France. Il y a d'autres pays, en effet, où le prix fixe fonctionne, mais effectivement, la France connaît ce système depuis longtemps. Alors, avant de rentrer dans le sujet de manière plus précise, je voulais rappeler quelques éléments concernant notre pays pour que nos amis brésiliens arrivent à circonscrire plus précisément la manière dont la problématique se pose chez nous. Je rappelle que notre secteur du livre, notre industrie du livre en France, représente de façon relativement stable depuis les années 2000 environ 50% du marché des biens culturels. Elle représente un chiffre d'affaires de vente au public d'un peu plus de 4 milliards d'euros. Pour la vente au détail, nous sommes à pratiquement 1 milliard d'euros pour le secteur de la vidéo, 0,85 milliards pour la musique. Je pense qu'on doit être à 4 milliards pour les jeux vidéo. Certains ont d'ailleurs dit que les jeux vidéo, et c'est une difficulté d'ailleurs, dépassent le marché du livre. Je voulais simplement rappeler que le livre était en France et en Europe une industrie culturelle majeure. Je rappelle des choses qui sont relativement peu connues dans le monde. Mais contrairement au cinéma, l'industrie du livre de nos amis américains est la propriété, pour une bonne partie de son business, d'industries et de groupes européens, notamment français, avec le groupe Hachette qui possède aux États-Unis des positions extrêmement importantes. Alors nous avons l'habitude de dire en France qu'il ne s'agit pas d'une marchandise comme les autres. Et puisque vous dites que je dois faire une conférence politique, alors le technocrate que je suis dit souvent au Parlement ou devant les politiciens, le livre n'est pas une marchandise comme les autres. Alors je suppose que ça sera débattu. Françoise Benamou aura évidemment, en sa qualité d'économiste, bien des choses à dire sur un sujet comme celui-là. Ça se discute du point de vue moral, du point de vue économique, bien entendu, et c'est un vaste débat. Mais en tout cas, dans notre pays, nous sommes habitués à le dire, et le livre participe fortement à la transmission des savoirs, l'accès
à la culture, et sa diffusion relève, nous le voyons comme cela dans notre société, de l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics, politiques, interviennent en estimant que le marché seul ne peut suffire, que la main invisible et l'allocation qu'elle pourrait faire de la rétribution, comme on dit en économie, des facteurs de production, ne serait pas équitable ou arriverait à des équilibres qui ne seraient pas optimaux. Et c'est la raison pour laquelle, dans la conception française, qui fait l'objet d'un large consensus politique dans notre pays, eh bien, l'État joue un rôle de régulation important de ce point de vue. Alors, les politiques publiques du livre et de la lecture poursuivent dans notre pays plusieurs objectifs que je vais énumérer rapidement avant de venir plus précisément sur la loi de prix fixe. Du côté de la production des livres, il s'agit dans notre esprit d'assurer la diversité de la création éditoriale sous toutes ses formes, d'éviter une trop grande concentration de l'édition sur les livres de meilleure vente, les best-sellers en quelque sorte, tout en permettant la juste rémunération des auteurs pour leur travail. Alors, je ne développe pas, mais enfin, rien que dans un paragraphe comme celui-ci, nous pourrions tenir à peu près 3 heures, voire plus de discussions. Je pense que ceux qui participent à ce débat nous interrogeront. Du côté, cette fois-ci, non plus de la production, mais de la diffusion des livres, nous estimons qu'il faut permettre l'accès de tous à la culture, au savoir, et notamment par la mise en place ou le maintien d'un réseau de diffusion marchand diversifié grâce à une régulation du commerce du livre qui permettent par ailleurs la modération du prix de vente au public. Nous avons d'autres objectifs sur lesquels je n'interviens pas très fortement, comme la promotion, bien entendu, de la langue française, qui fait que nous nous intéressons beaucoup à l'exportation ou à la présence de nos livres en langue originale ou en version traduite. Et puis, nous avons également, et c'est important parce que c'était un des éléments mis en avant par Jack Lang lorsqu'il a pris cette législation, proposé cette législation, un objectif d'aménagement du territoire ou d'aménagement culturel du territoire, c'est-à-dire cette vision que le livre doit être présent au plus près des consommateurs et que, pas très loin en tout cas, de chacun d'entre eux, un commerce de livres puisse être à disposition de manière à ce que l'accès aux livres puisse être facilité. Alors, c'est une politique qui est, pour certains de ses attributs, essentiellement mise en œuvre par l'État central et par votre serviteur, mais qui est aussi fortement décentralisée, et nos collectivités locales jouent un rôle extrêmement important de ce point de vue-là, puisqu'aussi bien c'est en région que sont présentes les marchands de livres dans les territoires, et que ce sont des interlocuteurs, bien entendu, politiques, économiques, de nos collectivités locales, j'y reviendrai. En matière d'industrie culturelle, puisque nous sommes dans ce champ, et d'économie de la culture, l'intervention publique, bien entendu, ne vise naturellement pas à se substituer aux acteurs privés. La France est un pays de liberté. La liberté du commerce et de l'industrie, c'est une liberté constitutionnellement garantie, importante, et les vecteurs naturels de la création et les garants de son originalité sont essentiellement vus, bien entendu, dans les acteurs privés du côté de l'édition. Mais assurer un certain équilibre, notamment en termes de diversité d'accès à l'offre, est vu comme une intervention, ou en tout cas susceptible d'intervention publique plus particulièrement. Et la politique du livre entend préserver ainsi et renforcer les équilibres économiques du secteur, en s'attachant particulièrement à améliorer la situation de l'édition, de la distribution indépendante. Ce terme est important, en effet, on pourra le commenter. Il y a un modèle économique que vous connaissez peut-être, qui est ce modèle de l'oligopole à frange concurrentielle, qui est celui des industries culturelles, avec la concentration d'un certain nombre de groupes importants et sur leur frange, des acteurs indépendants qui sont estimés, ou que l'on estime être les garants de l'innovation et de la créativité en la matière. Et c'est ce modèle, évidemment, que nous avons en ligne de mire. Alors, si l'État intervient, notamment à travers des dispositifs d'aide de subvention pour les différents acteurs de la filière,
principalement les auteurs, les éditeurs, les libraires. Nous ne nous intéressons pas beaucoup à tout l'amont de la chaîne, c'est-à-dire à l'industrie de l'impression. Son action est en premier lieu normative. Et donc, plus que des aides, la France, en matière de livres, a des lois et a des normes. C'est tout différent pour le secteur du cinéma, sur lequel je n'interviens pas. Nous aidons très peu le secteur du livre par la finance, par les aides. Nous l'aidons beaucoup, ou en tout cas, nous l'encadrons et nous le régulons par un certain nombre de textes normatifs et d'encadrement de politique économique. Alors, l'exemple le plus emblématique, bien entendu, de ces régulations de la politique française, c'est la loi Langue, la loi du 10 août 81, relative au prix du livre. Et dite loi Langue, bien entendu, puisque c'est notre ancien ministre Jack Lang qui l'a proposé aux chambres et qui en a assuré la promotion. Je crois que Jean-Yves Mollier interviendra plus particulièrement sur cette histoire compliquée, mais la loi Langue n'est pas forcément une nouveauté au moment où en 81 elle est votée. C'est une tradition des éditeurs français d'avoir constamment cherché à garder la maîtrise de leurs valeurs et de la diffusion des ouvrages qu'ils éditaient, en particulier par un contrôle des prix de vente au détail, plus ou moins fort selon les périodes. Et depuis le XVIIe siècle, chez nous, les éditeurs ont progressivement imposé dans les pratiques commerciales leur volonté que soit utilisé un prix de vente au public fixe et ou conseillé. Et cette volonté constante des éditeurs de maîtriser le prix de vente s'est finalement traduite dans les dernières années du XXe siècle par cette loi Langue, cette loi du 10 août 81. La loi a été motivée néanmoins, au-delà de cette longue tradition, par un contexte tout à fait particulier. J'insiste sur ce contexte parce que, comme je l'ai dit, je suis souvent interrogé par des pays amis de la France sur la possibilité pour eux d'adopter une loi de prix fixe. Or, le contexte d'adoption et les effets économiques me paraissent tout à fait importants de ce point de vue-là. Dans cette décennie des années 70, juste avant l'adoption de la loi Langue, la France connaît en matière de distribution, d'accès aux biens, le développement, sur le modèle américain, des grandes surfaces. Elles connaissent un développement très rapide dans notre pays, sont de plus en plus nombreuses à ouvrir des rayons de livres. De leur côté, malgré certains efforts de modernisation de leurs magasins, de leurs pratiques de vente, les libraires traditionnels, indépendants ou les chaînes, voient leur part relative dans la distribution du livre se réduire peu à peu. Ils sont sévèrement concurrencés. C'est l'ouverture en 1974 de la librairie de la FNAC à Paris, qui, avec ses pratiques commerciales non conformistes, ses éléments d'innovation, comme aujourd'hui, bien entendu, un acteur comme Amazon, sert de déclencheur. Alors, en proposant des rabais systématiques très forts, 20%, la FNAC va mettre à mal le régime de prix conseillé par les éditeurs, et le succès rapide de cette chaîne, la FNAC, donne lieu à de larges débats dans la société française et dans la politique, et à divers rapports qui vont tous souligner la fragilité de la librairie traditionnelle. Et c'est dans ce débat qu'en 1979, notre ministre de l'économie, ancien René Monory, change complètement de système et décide de libérer les prix. C'est la première fois en France qu'on aura une telle libéralisation des prix. Instaure un régime de prix net pour le livre pour donner le contrôle total du prix au libraire. L'éditeur ne peut plus conseiller un quelconque prix, le libraire est alors totalement libre de fixer son prix. Et c'est évidemment cette nouvelle réglementation qui devient centrale au moment des élections présidentielles de 81. Je crois que Jean-Yves Mollier le rappellera, tous les partis présentaient une proposition de contrôle du prix du livre, et François Mitterrand, évidemment, s'est engagé à le faire. Alors son raisonnement et le raisonnement de Jack Lang à l'époque, conseillé par un certain nombre d'éditeurs, pas tous, hein, il y a eu grand débat, mais je laisse Jean-Yves Mollier le dire, était que l'application au secteur du livre des règles ordinaires de la concurrence par les prix entraînait à long terme une réduction de la densité de la diversité des réseaux de distribution du livre et une disparition progressive des libraires au profit des grands opérateurs. Et en considérant que le livre n'est pas un produit marchand comme les autres, je l'ai rappelé, la loi Langue se donne pour objectif de maintenir un réseau de libraires dense sur l'ensemble du territoire, non seulement pour maintenir un accès facile aux livres pour les consommateurs, nous n'avions pas à l'époque, rappelez-vous, évidemment, le développement de la vente à distance comme aujourd'hui, pour maintenir l'emploi dans ce secteur, pour maintenir l'aménagement des centres urbains en commerce diversifié, bien entendu, mais également pour maintenir la capacité de l'innovation éditoriale
à arriver jusqu'à la table des libraires et donc jusque dans les mains des lecteurs. Donc nous avons une loi qui est dès l'origine à la fois économique, elle est pensée avec des effets économiques et culturels, dans la mesure où la diversité de la librairie est vue comme influençant directement la diversité, la qualité de l'offre éditoriale. C'est une forme de pari, je reviendrai dessus, et ce faisant, orientant la capacité des acteurs économiques à innover. Quel est le principe de cette loi? C'est très simple. C'est très simple et c'est souvent mal compris, d'ailleurs, chez un certain nombre de nos interlocuteurs. Je me rappelle que j'ai été invité en Pologne il y a quelques années. Alors, les Polonais avaient de gros problèmes qui étaient posés par Amazon, mais les Polonais sortis aussi de plusieurs décennies de communisme et voyaient en réalité l'interlocuteur que j'étais comme l'homme qui fixait le prix du livre. Alors, j'ai dû essayer de convaincre les Polonais que je n'étais pas le représentant des soviets, non, que la loi de prix fixe était et restait fondamentalement, bien entendu, une loi libérale, une loi de concurrence, mais avec un certain nombre d'aménagements, bien entendu. Alors, le premier principe, c'est que la valeur est fixée par l'amont de la chaîne, c'est-à-dire par le secteur créatif, même si nous avons des débats aujourd'hui pour savoir si oui ou non les éditeurs font partie du maillon créatif de la chaîne. Les auteurs souvent disent non, mais enfin, pour nous, l'éditeur fait partie du segment créatif de la chaîne de valeur. Et donc, il est important dans cette loi que l'éditeur, qui est l'industriel créatif, maintienne la valeur et en main la valeur. Et de ce fait, d'ailleurs, la distribution de la valeur ajoutée. Et donc, le prix n'est pas fixé par le détaillant. Le prix est fixé par l'éditeur. C'est lui qui fixe. Et c'est aux importateurs de livres de fixer le prix de ceux-ci, quand on importe. Deuxième principe fondamental, les détaillants ont l'obligation de vendre ces livres au prix fixé dans tous les réseaux. Ça n'est pas moins cher chez Leclerc. Jean-Yves Mollier le rappellera. C'est moins cher chez Leclerc, c'est moins cher chez Amazon. Eh bien non, c'est le même prix chez tout le monde. Qu'on achète ici ou là, dans quelques réseaux que ce soit, le prix est le même. Et nous avons laissé, simplement par respect et révérence pour la Commission européenne, une marge de 5% qui permet, ou qui ne permet pas d'ailleurs, selon la volonté du détaillant, de faire un rabais qui ne peut aller au-delà de ces 5%. Jean-Yves Mollier rappellera les grands combats qui ont eu lieu derrière. Il est important de savoir aujourd'hui que cette loi a été, après plusieurs contentieux, validée par l'autorité fondamentale économique de l'espace européen qu'est la Commission européenne, le juge européen, et qu'il a été remarqué et édicté à cette occasion un principe fondamental qui est que le livre est reconnu comme étant un élément suffisamment important pour qu'on puisse porter atteinte aux règles fondamentales des traités de l'Union européenne en matière de circulation des biens, des marchandises et de marché intérieur, avec une régulation telle que celle que nous avons prise. Motif impérieux d'intérêt général, a dit la Commission européenne, et ça reste pour nous un principe tout à fait fondamental. Alors, les détaillants visés par la loi sont tous les revendeurs potentiels de livres, libraires traditionnels, grandes surfaces spécialisées comme la FNAC, Cultura, grandes surfaces non spécialisées, généralistes, les rayons des supermarchés, sociétés de vente par correspondance et libraires en ligne. Je redis que ce rabais de 5%, sur lequel il y a des débats aujourd'hui, je reviendrai peut-être si j'ai un peu de temps, s'impose à tous les revendeurs, et notamment dans les périodes de grandes ventes, comme celle des fêtes de fin d'année, qui concentrent une partie importante du commerce chez nous, mais dans le monde également, ou dans les manifestations littéraires, les salons du livre, où on vend beaucoup de livres, interdiction de faire des rabais supérieurs à 5%. Et ces rabais de plus 5% sont donc illégaux à tout moment de l'année. Les détaillants qui accordent des rabais supérieurs sont en infraction vis-à-vis de la loi et deviennent passibles de sanctions civiles et pénales relativement lourdes. Nous avons quelques exceptions à l'interdiction de ce rabais de 5%. Encore une fois, qui un jour disparaîtra peut-être, mais enfin pour l'instant, et toujours par révérence pour la Commission européenne, nous le maintenons. Alors, il y a des soldes permises par la loi, mais elles sont strictement encadrées et un détaillant ne peut pas pratiquer les soldes si le livre qu'il a en stock, il ne le
il ne l'a pas en stock depuis plus de 6 mois, et si ce livre n'est pas édité depuis plus de 2 ans. Donc, ça restreint très fondamentalement la capacité à faire des soldes. Et puis, nous avons une autre exception importante, qui n'était pas prévue d'ailleurs dans la loi Lang au départ, c'est celle des achats publics de livres. C'est très important parce que ce sont les achats de nos bibliothèques. Nous avons un réseau extrêmement important de bibliothèques dans notre pays. Nous avons construit beaucoup de bibliothèques. Et c'est un moyen pour nous de développer le goût, l'appétence pour la lecture, qui est un déterminant, bien entendu, de l'achat de livres, et pour l'achat de livres par les collectivités locales, pour leurs bibliothèques, eh bien, nous avons un rabais de 9%. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une loi de 2003 qui a instauré le droit de prêt en bibliothèque, qui a instauré ce rabais de 9%, après des débats assez complexes. Si nos collègues et amis brésiliens souhaitent en savoir un peu plus, je serai à leur disposition, mais c'est un peu technique et très français, en tout cas à ce stade. Alors là, la loi, bien entendu, Jean-Yves Mollier reviendra, s'est heurtée à l'hostilité de la grande distribution, mais pas que. Et au sein des éditeurs, et Patricia Sorel a écrit un livre sur ce sujet, il y a eu beaucoup de débats également. Tout ça est assez compliqué. 40 ans après, il n'y a plus de débat. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que le livre est un bien spécial. Je crois que Jeff Bezos est même d'accord sur ce sujet-là. Dans le monde entier, en tout cas, le livre sur Amazon a un traitement tout à fait particulier. C'est un bien exceptionnel, très différent des autres biens. Mais beaucoup de pays ont, de manière aussi ancienne que la France, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, ou de manière plus récente, sont passés au prix fixe, rien que sur le continent européen, je dirais que la loi a inspiré, ou en tout cas que d'autres pays ont ce système, le Portugal en 96, Grèce en 97, l'Autriche et l'Allemagne au début des années 2000, qui constituent bien entendu une zone linguistique unifiée et une zone commerciale là aussi où le livre, en tout cas, a circulé selon des systèmes et des accords qui sont passés au niveau de la loi, en 2000 pour l'Autriche et en 2002 pour l'Allemagne, Italie et Pays-Bas en 2005, et dans le monde, un certain nombre de pays sont passés également, et notamment en Amérique du Sud, dans des systèmes de prix fixe, alors plus ou moins semblables à celui de la France, parfois assez éloignés. Je pense qu'il faudrait que nous fassions peut-être une étude assez précise pour savoir comment ces législations diverses fonctionnent, avant de connaître leur capacité à résoudre les problèmes qui leur étaient adressés. Quel est le bilan que nous pouvons tirer rapidement de cette loi ? Et c'est important parce qu'une législation doit atteindre ses objectifs. Et j'ai pu remarquer aussi que quand j'étais invité, on estimait que la loi Lang pouvait pratiquement résoudre tous les problèmes qu'un pays se posait. Et en général, il se pose des problèmes quand ça va mal. Alors, la loi Lang n'est pas une médication absolue pour réduire, bien entendu, tous les problèmes d'une filière économique et d'une chaîne de valeur aussi complexe que celle du livre et aussi ancienne. Elle peut néanmoins avoir un certain nombre d'effets que je vais détailler, qui sont effets toujours contestés. Et je crois que Françoise Benamou est bien mieux placée que moi pour dire que autant d'économistes, autant de visions d'un texte comme celui-ci, beaucoup d'articles savants ont contesté les effets de la loi Lang pour demander son abolition, parfois. Un certain nombre de pays, comme l'Angleterre, qui étaient sur des systèmes de prix fixe, ont aboli leur système, sont passés à une dérégulation complète du marché du livre. Et il est bien difficile, finalement, de se faire une idée absolue de ce système. Et je le disais en arrivant, la loi Lang a eu des effets importants parce qu'elle est intervenue dans un marché où les jeux n'étaient pas faits, où ils pouvaient se faire, mais où ils n'étaient pas faits. Lorsque les effets de la loi Lang sont d'ores et déjà perceptibles à un degré extrême dans tel ou tel marché national, il est sans doute inutile de vouloir passer à un système de prix fixe. Les choses sont déjà faites. Alors là, le premier effet, bien entendu, et ça je pense qu'on peut l'énoncer sans grande difficulté, c'est que le réseau de distribution et de diffusion du livre français a gardé une très forte diversité.
Aujourd'hui, les principaux canaux, librairies indépendantes, chaînes, grandes surfaces généralistes, Internet, qui depuis 10-15 ans est arrivé, se concurrencent d'une certaine manière ou agissent ou opèrent à peu près à égalité de part de marché. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas eu de vaste mouvement. Il y a eu un mouvement de repli depuis une vingtaine d'années des commerces indépendants. Ils gardent néanmoins leur vitalité. Nous avons pratiquement 3500 libraires indépendants et leur démographie est relativement optimiste. Ils se détruisent autant de librairies qu'ils s'en créent chaque année. En tout cas, ce stock de librairies indépendantes a été conservé sur le long terme dans notre pays. Il est vivace. Mais nous avons des chaînes qui opèrent, qui sont en bonne santé. Et puis, nous avons vu arriver, qui s'est taillé une part importante du marché, aujourd'hui une vingtaine de pourcents, la vente par Internet de livres imprimés. Je parle des livres imprimés, bien entendu. Mais en tout cas, le commerce indépendant, celui qui fait l'activité de nos villes et de nos centres-villes, s'est très bien préservé. Et la crise que nous avons connue a montré qu'il était extrêmement vivace et qu'avec aujourd'hui les perspectives de commerce ou d'achat des citoyens plus verts, plus écologiques, ce retour vers les centres-villes, vers les commerces de centres-villes, relève d'une problématique actuelle et très intéressante. Alors, je dis que c'est un effet de la loi Lang parce que en 81, le secteur de la diffusion du disque et de la musique a été interrogé pour savoir s'il souhaitait une extension du système de prix fixe à son périmètre. Et le système, le marché du disque, des phonogrammes, a dit non. Et il m'est arrivé, il y a quelques années, de recevoir un certain nombre de syndicats professionnels de ce secteur qui m'ont dit « Pourquoi ne l'avons-nous pas choisi ?» Un système de prix fixe quand c'était le temps. Et certains me disaient même que grâce à l'amélioration de ses marges, puisque nous avons amélioré de facto les marges de la FNAC, eh bien la FNAC a réussi à tuer l'ensemble des disquaires. Il ne reste pratiquement plus aucun disquaire en France. De fait, le support physique pour le disque ne joue pas le rôle du support physique pour le livre. Ça n'est pas exactement comparable, mais néanmoins, on peut voir quand même dans le fait qu'il n'y a pas eu de régulation de ce type dans le système, dans le marché de vente des phonogrammes, un effet positif de la loi Lang, que nous jugeons positif. Notre offre éditoriale est très riche, elle est même de plus en plus riche. Je reviendrai dessus, c'est même un problème. En tout cas, le nombre de nouveautés produites en France croît chaque année. La vente de livres se porte bien dans notre pays. 366 millions d'exemplaires de livres non scolaires vendus en 2018, et c'est un niveau qui se tient. Et puis, c'était une grande crainte des Polonais et d'un certain nombre d'autres pays, les Tchèques également, qui disaient, mais enfin, si les éditeurs maintiennent le prix, s'il n'y a pas de concurrence par les prix vont augmenter. Eh bien non, c'est exactement le phénomène contraire auquel nous assistons en France, et nous assistons également au fait que dans les pays comme en Angleterre, où le prix a été libéralisé, le prix moyen des livres a augmenté, avec fortement des rabais. Ceci peut être questionné effectivement, mais en France, depuis une vingtaine d'années, l'augmentation annuelle du prix du livre n'a dépassé l'augmentation du prix des biens de grande consommation qu'à 4 reprises. Et nous sommes aujourd'hui, et c'est d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, un problème, dans un état de prix déflationniste pour le bien qu'est le livre par rapport à l'ensemble de l'évolution des coûts, et notamment pour les libraires, des coûts de centralité et de maintien de leur commerce, que sont d'une part les loyers de centre-ville et d'autre part le coût de la main-d'œuvre, main-d'œuvre qualifiée, puisque s'il n'y a pas de concurrence par les prix, vous savez que la concurrence doit se faire par le conseil et par la qualité du conseil aux consommateurs. Cette régulation du prix du livre a su évoluer par ailleurs et rester à l'ordre du jour des agendas politiques en tenant compte de nouveaux modes de consommation. Et je terminerai par ce point. Alors, il s'est agi principalement d'opérer une régulation du prix du livre en matière numérique. Pour les e-books, les livres numériques, il y a une dizaine d'années, au moment où nous pensions que le livre, comme la musique,
allait être submergé, évidemment, par l'arrivée de nouveaux acteurs et ébranlé dans ses équilibres. Nous avons pris une législation le 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique qui a instauré, dans le même esprit que la loi Lang, un cadre juridique qui garantit aux éditeurs la maîtrise complète de la vente finale de ce que j'appellerai rapidement les fichiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique? Est-ce que c'est un bien immatériel? Est-ce que c'est un service? On ne sait pas très bien le qualifier aujourd'hui, peu importe, je ne rentrerai pas dans ce type de détails. Mais enfin, cette mesure visait à renforcer la confiance des acteurs de la création, auteurs, éditeurs, dans le fonctionnement de ce nouveau marché, afin de favoriser leur initiative en matière d'offres numériques. Elle visait aussi à maintenir une grande diversité de circuits de diffusion pour le livre numérique, alors que dans le champ du numérique, nous savons que les phénomènes de concentration peuvent être très rapides et bien plus rapides que dans l'univers physique. Par ailleurs, le législateur français a adopté en 2011 une disposition prévoyant l'application, comme c'est le cas pour le livre imprimé depuis 1966, d'un taux de TVA, taxe à la valeur ajoutée, réduit sur les livres numériques. Ce n'était pas le cas au moment où nous l'avons fait. Nous avons forcé la main de la Commission européenne, qui est maîtresse de la TVA dans l'ensemble de l'Union. Ce sont des éléments harmonisés au niveau européen. Enfin, une législation de 2014 relative à la consommation a créé un médiateur du livre attendu depuis longtemps, dont le rôle est d'aplanir de manière préjuridictionnelle les conflits entre éditeurs et détaillants de livres lorsqu'ils peuvent exister sans aller voir le juge, ce qui évidemment coûte cher d'une part et toujours très long. Médiateur du livre qui est jugé par la profession comme une instance de dialogue et d'aplanissement des difficultés efficaces. Dernier élément en date, en 2014 encore, nous avons tenté, sans grand succès, mais je vais y revenir, de réguler la croissance importante de la vente à distance de livres, 20% aujourd'hui, avec évidemment la capacité d'un acteur, suivi très difficilement par d'autres, de tarifer la vente à distance et les frais d'expédition à 0 euro. Nous n'avons pas réussi, pour un certain nombre de raisons, en 2014, à imposer autre chose qu'un principe général de non-gratuité des frais d'expédition. Et le lendemain, évidemment, de l'entrée en vigueur de cette loi, Amazon, puisque c'était lui dont il s'agissait, a tarifé immédiatement la vente de livres à distance à 1 centime. Autrement dit, cette loi n'a pas porté. Elle a porté néanmoins dans le débat français, car c'était la première fois qu'un débat public avait lieu au Parlement sur ce grand acteur majeur des industries culturelles et de la vente du livre. Mais je le dis parce que nous venons de voter à l'Assemblée nationale il y a quelques jours la seconde partie et le match retour de cette affaire. Et nous avons réussi, et c'est quelque chose de difficile que nous avons réussi à faire, à imposer par la loi, et cela va bientôt rentrer en vigueur, l'impossibilité d'envoyer des livres à distance sans les tarifer à un niveau minimum. Et ce niveau minimum, c'est votre serviteur qui l'imposera avec le régulateur des postes de télécommunications. Et nous travaillons aujourd'hui à un niveau minimum de frais de port et d'expédition pour les livres à distance qui mettra les acteurs que sont les librairies traditionnelles, mais également les chaînes comme la Fnac, Cultura chez nous, dans une situation concurrentielle moins déséquilibrée qu'un acteur global comme Amazon peut imposer. Donc c'est une régulation importante qui a passé le cap du régulateur concurrentiel français, du Conseil d'État et de l'Union européenne, et dont nous tirerons le bilan, je l'espère positif, dans 2 ou 3 ans. Alors pour terminer, bilan positif, bien entendu, je ne dirais pas le contraire comme représentant du gouvernement, mais je le crois profondément parce que je suis un militant de cette loi, comme ceux qui nous écoutent. Mais je dirais qu'elle ne peut pas régler tous les problèmes et il faut ne pas en attendre ce qu'elle ne peut pas régler. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre de difficultés, de déséquilibres économiques dans le marché du livre en France qui échappent
à la loi langue, qui n'est pas cette potion magique que certains veulent voir. Il faut raison garder. Le prix et son évolution. J'ai dit que ce prix était en déflation. La maîtrise du prix, un prix en déflation, n'est bon pour personne et pose des problèmes. Pose des problèmes aujourd'hui aux libraires de capacité à dégager les marges suffisantes pour précisément amortir leurs coûts de fonctionnement qui sont, eux, croissants. Comment résoudre cette difficulté? C'est très difficile parce que se pose la question du prix du livre et du juste prix du livre. Aujourd'hui, le prix des biens culturels, c'est une sorte de tabou dans notre pays. On veut un accès aisé à la culture et donc un prix bas. Et les éditeurs estiment que le juste prix aujourd'hui est celui qui est pratiqué, même s'il est en déflation, et qu'on n'ira pas au-delà. En tout cas, qu'une nouveauté au-delà de 22, 23 euros tel que c'est pratiqué aujourd'hui, c'est totalement rédhibitoire pour le développement de l'achat. Deuxième élément, c'est une loi de concurrence, bien entendu, et nous le disons à nos collègues du ministère de l'Économie, qui ne veulent pas le croire, mais c'est une loi de concurrence, elle a maintenu une juste concurrence au sein du commerce du livre, mais ça n'est pas une loi qui va régler tous les problèmes de concurrence, bien entendu, et notamment les problèmes de concentration d'un certain nombre de segments du livre. La loi Langue ne peut rien contre cette affaire et il faut avoir recours aux éléments de politique plus traditionnels de la régulation concurrentielle. En France, il y a 20 ans, s'est posée la question de la fusion de nos deux principaux groupes d'édition. C'était Vivendi à l'époque et Hachette. Et curieusement, la partie se rejoue là aussi 20 ans plus tard. Et ça n'est pas la loi Langue, bien entendu, qui pourra faire grand-chose sur cette affaire. Ce sont les régulateurs concurrentiels. Et les régulateurs concurrentiels, ils auront le choix entre prendre la position qu'ils ont prise il y a 20 ans, en disant non, ce n'est pas possible. Il y a des segments de ces grands groupes qui ne peuvent pas fusionner. Ça serait vraiment trop défavorable pour le consommateur. Je rappelle que Françoise Benhamou a écrit un article tout à fait remarquable de ce point de vue-là, « Concurrence pour la table du libraire ». Et demain, est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'en Europe, on se pose la question de créer des grands champions internationaux dans un certain nombre de parties de notre économie, on s'opposera finalement à la fusion de ces deux grands groupes. La partie n'est pas jouée. Il y a quelque temps, le gouvernement a fortement poussé, contre l'avis d'ailleurs de l'autorité de la concurrence, à la fusion de deux chaînes de télévision, M6 et TF1. La partie n'est pas encore jouée, mais là aussi, ce sont des enjeux pour le ministère de la Culture tout à fait importants qui dépassent la loi Langue. J'ai parlé tout à l'heure du fait que nous produisions beaucoup de livres. Ne produit-on pas aujourd'hui trop de livres? Alors, bien entendu, nous parlons de diversité, un mot compliqué. Françoise Benhamou, là aussi, a écrit des choses tout à fait décisives. Qu'est-ce que c'est que cette diversité? Est-ce que c'est le nombre de titres? Est-ce que c'est la capacité des livres à se démarquer les uns des autres, à innover véritablement? Est-ce que c'est la capacité d'un système à produire véritablement quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu? Et est-ce que 80 000 titres produits par an, comme en France, c'est quelque chose de bien? Bien aujourd'hui, c'est un problème fondamental. Et nous pensons que ces 80 000 titres posent des problèmes, et posent des problèmes en particulier de rémunération des auteurs qui les écrivent. Aujourd'hui, nos auteurs et nos créateurs, en général, ça ne se pose pas que dans le livre, ne sont plus correctement rémunérés, nous avons pu le documenter tout à fait. C'était mieux d'être auteur il y a 40 ans que d'être auteur aujourd'hui, incontestablement. Et alors qu'on pouvait à peu près vivre de sa plume, même si c'est effectivement, ce sont des systèmes de best-sellers, de capacité des uns et des autres, bien entendu, des systèmes de star system, pardon, de capacité des uns et des autres à tirer la valeur à eux et à concentrer la valeur, eh bien, quand on était un auteur du milieu, on pouvait vivre de sa plume avec un livre par an. Aujourd'hui, il en faudrait deux ou trois. Et bien entendu, la loi Langue ne peut pas régler ce type de problématique qui se pose à nous. Néanmoins, on peut se demander si, au contraire, la loi Langue n'a pas d'une certaine manière favorisé cette surproduction parce qu'elle a baissé le risque entrepreneurial de nos éditeurs. C'est une question importante que nous nous posons. Et puis enfin, pour produire des livres, il faut qu'ils soient lus. Il faut des consommateurs. Et depuis 50 ans que nous faisons des études, 60 ans, eh bien ces consommateurs, ils baissent, ils s'érodent. Les gros consommateurs consomment de moins en moins. Ceux qui ne consommaient pas, alors qu'ils sont mieux formés à l'école, ne consomment pas davantage de livres. Nous avons créé un système de bibliothèque sensationnel et pourtant tout cela s'érode.
Et ça, la loi Lang n'y peut rien, évidemment, quand bien même elle a continué à apporter le livre à proximité des acheteurs. Et le livre, et tous les livres, parce qu'une librairie traditionnelle, elle a autant de livres, elle donne accès à autant de livres, et la loi l'oblige à le faire qu'Amazon. C'est une faute de dire qu'Amazon a plus de livres qu'une librairie traditionnelle. Donc voilà les grands enjeux qui sont ceux de la régulation du livre aujourd'hui, qui ne remettent pas en cause la loi Lang, qui l'interroge et qui demande évidemment aujourd'hui à ce qu'elle soit arc-boutée sur d'autres types de mesures, d'autres types d'accompagnement de la filière vis-à-vis d'enjeux qui sont tout à fait considérables. Voilà, je suis prêt bien entendu à répondre à toutes les questions nécessaires. Merci de votre attention pour cette première intervention. Merci Nicolas Georges, merci beaucoup pour votre conférence, votre participation qui était riche et qui sans aucun doute devrait amener des questions. Bon, nous sommes heureux de revoir parmi nous Jean-Yves Mollier, donc qui nous est revenu, et donc je lui redonne de suite la parole. Jean-Yves Mollier, donc à vous. Merci, avec toutes mes excuses pour les problèmes techniques antérieurs qui nous confirment qu'il vaut mieux quand même être réunis dans un même lieu pour pouvoir discuter. Lorsque la loi Lang a été promulguée au journal officiel le 10 août 1981, puis appliquée le 1er janvier 1982, elle était encore extrêmement fragile. Votée à l'unanimité par les parlementaires de droite comme de gauche, cette loi va alors devoir affronter une tempête déclenchée par les patrons de la grande distribution. Deux hommes vont incarner ce combat de Goliath contre David. André Hessel, PDG de la FNAC, et Édouard Leclerc, patron des hypermarchés qui portent son nom. Comme rien n'est simple en ce domaine, Jack Lang a dû se battre dans son propre parti, le Parti socialiste, pour contrer la mauvaise volonté du ministre de l'Économie et des Finances, Jacques Delors, et celle de la ministre de la Consommation, Catherine Lalumière. Jack Lang a évoqué plusieurs fois ses craintes face à ces poids lourds de la politique contre lesquels le ministre de la Culture ressemblait à un fétu de paille. En plein Conseil des ministres, persuadé que ses adversaires allaient au dernier moment emporter la décision finale de François Mitterrand, il avait dû glisser un appel désespéré à Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur. « Gaston, sauvez-moi », avait écrit à la hâte Jack Lang sur un bout de papier. « Mon petit mot arrive dans les mains de Gaston », confiera-t-il plus tard. Il le lit rapidement et demande à prendre la parole. Il a une autorité toute naturelle de grand sage, de personnage haut en couleur, à la fois maire de Marseille et ministre de l'Intérieur. C'est un prince. Il prend la parole et dit « Monsieur le Président, le ministre de la Culture a entièrement raison, c'est d'ailleurs un des engagements de nos 110 propositions ». Lang pousse un grand ouf de soulagement. Décrit de façon dramatique, l'épisode que je viens de raconter laisse cependant dans l'ombre un élément qui avait pesé sur les positions des uns et des autres, l'ambition de lutter contre l'inflation et la hausse des prix. Oubliant que cette arrivée brutale d'une grande surface culturelle sur le marché du livre, la FNAC, avait eu pour conséquence d'aggraver les difficultés des libraires et celles des éditeurs de gauche, tels François Maspero, dont le magasin La Joie de Lire avait commencé à péricliter cette année-là, les tenants du libéralisme économique avaient mal accepté le ralliement de François Mitterrand à la politique du prix unique intervenue en novembre 1977. En réponse aux sollicitations de Jérôme Lindon, PDG des éditions de Minuit, et président de l'Association pour le prix unique du livre, François Mitterrand avait imposé au secrétariat à l'action culturelle du Parti socialiste un changement complet d'orientation. Pour compliquer encore davantage la situation, il faut rappeler que les libraires eux-mêmes s'étaient divisés sur cette question. La Fédération française des syndicats de libraires, approuvant l'arrêté Monory, qui le 1er juillet 1979 avait libéré, entre guillemets, le prix du livre en France et déclenché la colère
de bon nombre de libraires qui désertèrent leur syndicat et en fondèrent un autre où les membres de l'Association pour le prix unique se retrouvèrent en majorité. Le bon sens semblait pourtant donner raison à Jacques Delors et aux écrivains socialistes qui s'étaient opposés par ce biais à leurs camarades communistes ralliés déjà à la politique du prix unique. Sur le fond, le rabais de 20% sur le prix du livre avait de quoi séduire les consommateurs. Mais il cachait soigneusement une réalité, ça a été rappelé par Nicolas Georges, qu'avaient vécu les professionnels de la musique un peu auparavant, c'est-à-dire la disparition programmée d'une profession, celle de disquaire, précisément parce qu'on avait libéré les prix du livre. Jean-Baptiste Delman, le président de la Fédération française des syndicats de libraires, en était conscient, mais il espérait que la liberté des prix diminuerait le nombre de librairies en France. Suicidaire, cette stratégie aurait provoqué un raz-de-marée si elle avait été poursuivie, mais il avait fallu à Jérôme Lindon et aux libraires, membres de l'association, dépenser beaucoup d'énergie pour convaincre la gauche et François Mitterrand en 1977, puis la droite et Jacques Chirac en 1980. Premier point de mon exposé, le monde du livre dans les années 1980-2000. Et dans un deuxième temps, je passerai aux années 2000-2020. Comme on le constatera au bout de 5 à 6 années de combats durs et souvent impitoyables, qui se traduiront par la victoire du ministère de la Culture et surtout par une européanisation de la loi langue, lorsque le pouvoir politique veut s'en donner les moyens, il est capable de vaincre les forces économiques ligués contre lui. Ce constat mérite d'être approfondi à la lumière d'une pesée des forces en présence en 1981. En effet, lorsque se déroule le débat sur le prix unique du livre, la concentration dans le monde de l'édition n'a pas encore démontré les effets ravageurs sur la création littéraire. Et les GAFA, donc Amazon et Google, n'existent pas. Les chaînes de librairies, notamment Barnes & Noble, Borders, Waterson, commencent à peine à pratiquer le discount à grande échelle afin de dominer le marché du livre en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1975, un an après la FNAC parisienne, que Barnes & Noble, un grand libraire new-yorkais au départ, a entrepris de changer sa politique de façon agressive et de proposer à ses clients un rabais de 40% sur le prix des livres classés en tête des ventes par le New York Times. En rachetant la chaîne de librairie B. Dalton Bookseller et ses 800 magasins en 1987, Barnes & Noble devenait un géant de la distribution des livres dans le pays. Et sa spécialisation dans la vente des volumes d'écoulement rapide, mis en avant par une publicité agressive, y compris à la télévision, allait entraîner la fermeture de nombreuses librairies indépendantes aux États-Unis. Comment pouvait-on espérer vendre des livres au prix habituel quand un géant omniprésent dans les médias est par ailleurs très attractif avec ses cafés Starbucks et ses fauteuils très confortables dans chacune de ses 1000 librairies, il proposait les livres à des prix cassés. Le résultat fut catastrophique pour le réseau de distribution de livres aux États-Unis. Et en 2008, il ne restait plus que 85 boutiques B. Dalton dans le pays et Barnes & Noble, attaqué à son tour par Amazon, ne gérait plus qu'un peu moins de 800 magasins contre le double au moment de son apogée. Pour Borders Group, second libraire américain, la chute avait été bien plus dramatique, puisque la liquidation de la chaîne et de ses 500 magasins en 2011 a provoqué la disparition d'un peu moins de 20 000 emplois. En Grande-Bretagne, où la chaîne Waterstone était apparue en 1982, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Et le groupe a dû faire face, après 2000, à la concurrence redoutable d'Amazon et revoir complètement sa stratégie pour éviter de disparaître. L'histoire de ces chaînes de librairies
dont on trouve l'équivalent aux Pays-Bas, en Russie, en Australie, en Asie, est intéressante à plus d'un titre, parce qu'elle illustre la rapidité avec laquelle une innovation peut se produire dans le monde du livre et pourtant disparaître comme un météore moins de 10 ou 15 ans après son apparition. En 2000, alors qu'Amazon, créé en 1994 par Jeff Bezos, venait simplement d'entrer à Wall Street depuis 3 ans, c'est la puissance du groupe Barnes & Noble qui semblait menacer les majors de l'édition américaine. Par sa capacité à diffuser des livres de vente rapide, imprimés à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'exemplaires et présents dans son millier de librairies au même moment, ce leader semblait en mesure de dicter aux grands éditeurs une partie de leur ligne éditoriale. En 1999, dans l'édition sans éditeur, André Chiffrine écrivait « Au cours des dernières années, les chaînes ont pris une place énorme aux États-Unis, où elles vendent actuellement plus de 50% de livres disponibles dans le commerce. Les librairies indépendantes, ajoutait-il, ne font plus que 17% des ventes et ce chiffre diminue chaque année. » Vous noterez dès maintenant que ce pourcentage est inférieur, 17%, à celui que se partagent les librairies françaises demeurées indépendantes en 2020, soit 19%, contre 27% aux grandes surfaces spécialisées, 18,5% aux grandes surfaces non spécialisées, 21% à la vente par Internet et 7,5% au club et à la vente par correspondance. Cela prouve donc l'efficacité de la loi sur le prix unique du livre pour maintenir un réseau de librairies indépendantes dans un pays qui aurait connu autrement l'érosion des parts de marché qu'on a observée aux États-Unis, en Grande-Bretagne et un peu partout ailleurs. Avant de revenir sur les conséquences heureuses d'une loi voulue par les milieux politiques et malgré l'opposition des agents économiques, il convient d'avoir en mémoire l'autre grande tendance des années 1980-2000, la concentration dans le domaine de l'édition. Dans le même livre, l'édition sans éditeur, André Chiffrine a analysé ce phénomène que, pour ma part, j'avais analysé dans la longue durée en 1988 en publiant « L'argent et les lettres, histoire du capitalisme d'édition ». Et j'avais montré combien ce phénomène remontait en réalité à la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment précis où les industries culturelles se constituaient en véritables empires dans les pays industrialisés, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. Aux États-Unis, le spectacle du cirque, dominé par la grande figure de Barnum, était apparu bien avant que le cinéma, à la veille de la Première Guerre mondiale, ne vienne modifier en profondeur ce secteur de l'économie. En France, la croissance à la fois verticale et horizontale de la librairie Hachette à partir de 1850 avait fait de ce géant un empire possédant un millier de kiosques de gare bien avant 1914, et en Grande-Bretagne, William Henry Smith possédait un réseau de distribution tout aussi puissant, mais à la différence de Hachette, sans chercher à contrôler toute l'édition britannique. En se concentrant sur les États-Unis et les années 1980-2000, André Chiffrine dramatisait une situation qu'il avait vécue dans sa chair, puisque lui, le fils de Jacques Chiffrin, l'un des deux fondateurs de Pantheon Books, avait préféré quitter cette entreprise magnifique en 1991, quand il avait vu des financiers absolument ignorants des particularités du monde du livre prendre le pouvoir dans ce secteur et prétendre lui imposer une logique financière substituée à l'ancienne logique industrielle qui avait prévalu jusque-là. Et j'insiste sur ce point, sans cela, on commet un contresens total sur le livre de Chiffrine. En Grande-Bretagne, on avait observé à la même époque le remplacement des gentlemen publishers par les businessmen publishers. Mais en Amérique du Nord, le phénomène était beaucoup plus inquiétant,
puisqu'il s'agissait, avec l'avènement d'un Rupert Murdoch et d'autres financiers du même type, de faire du livre un produit comme les autres, destiné à engendrer le profit le plus rapide et le plus élevé possible. Si on se souvient que Le Rouge et le Noir de Stendhal, comme les premiers romans de Virginia Woolf, n'ont été vendus qu'à quelques centaines d'exemplaires lors de leur apparition sur le marché, et que dans le domaine des sciences humaines, la Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, la thèse de Fernand Braudel, n'a pas dépassé le cap des 300 exemplaires vendus lors de ses premières années d'exploitation commerciale, on voit bien ce qui interdit de considérer le livre comme un simple produit du commerce et de l'industrie. Souvent comparé à un prototype, parce que chaque ouvrage est différent de ce qui l'entoure et qu'il est impossible de prévoir la vente de l'ouvrage d'un auteur dont le nom n'est pas connu, le livre était censé maintenir l'édition en dehors de la sphère de la grande production. Pourtant, certaines évolutions antérieures à la Deuxième Guerre mondiale pouvaient faire craindre une dérive de ce secteur. Mais globalement, jusqu'aux années 1960-1970, le livre était demeuré à l'abri des secousses qui avaient modifié en profondeur l'industrie automobile ou la chimie ou le monde de la finance. Pourtant, en France déjà, le PDG des Presses de la Cité, ancêtre du groupe de la Cité et de Vivendi Universal Publishing, Sven Nielsen, déclarait à qui voulait l'entendre vouloir modifier en profondeur l'aspect extérieur de ses volumes, supprimer, disait-il, les couvertures en style chemise de nuit, entendez la blanche de Gallimard, pour les remplacer par des jaquettes affiches. Mais, j'y insiste, il était marginal à la date 1968 où il tenait de tels propos. Sa stratégie, pourtant, fut payante puisqu'il parvint dans un premier temps à grouper autour de sa maison d'édition des marques aussi prestigieuses que Plomb, Perrin, Julliard, Robert Laffont. Et en 1987, on assista en France à la constitution du premier véritable groupe d'édition, le Groupe de la Cité. Il réunissait deux entités distinctes, les Presses de la Cité et leurs filiales d'un côté, la CEP Communication, c'est-à-dire Havas, et les maisons d'édition Bordas, Larousse et Nathan, de l'autre. Et ce groupe n'aura de cesse que de grossir au point d'être absorbé par la Compagnie Générale des Eaux, actionnaire principal de Havas. Rebaptisée Vivendi, cette entreprise française prendra alors comme modèle de développement celui des groupes de communication mondiaux constitués à partir du début des années 1990 du type AOL, Time Warner ou encore CBS, Viacom. Après avoir racheté l'entreprise canadienne Seagram pour récupérer les studios de cinéma américains Universal, le nouveau conglomérat renommé Vivendi Universal s'installera à New York et le groupe de la Cité, sa branche livre, deviendra Vivendi Universal Publishing, un des nouveaux majors mondiaux avec Pearson, Bertelsmann, Reed Elsevier et Wolters Kluwer. Toutefois, et j'y insiste, la désintégration des groupes de communication, l'installation en ordre de bataille, provoquera la vente de Time Warner Book Group à Hachette en 2006, et on notera que c'est ce même groupe Hachette, ou Lagardère Publishing comme vous voulez, qui à l'automne 2002 récupérera Vivendi Universal Publishing, vendu aux enchères après le démantèlement de Vivendi Universal, provoqué par les ennuis financiers ou la mégalomanie, comme vous voudrez, de son PDG Jean-Marie Messier. On retiendra d'abord de ces phénomènes de concentration et de regroupement d'entreprises à l'échelle nationale puis mondiale leur caractère éminemment erratique et donc très difficilement prédictible, puisque les groupes de communication n'ont pas passé le cap des 10 à 15 années d'existence, comme les grandes chaînes de librairies, aussi vite apparues dans l'espace public que disparues, ou en tout cas contraintes
de revoir leurs ambitions à la baisse. Barnes & Noble n'est pas plus en mesure de dicter aux éditeurs leur stratégie aujourd'hui qu'AOL Time Warner de leur imposer une politique destinée à transformer le livre en auxiliaire du cinéma et de la télévision. Deuxième et dernier point de mon intervention, l'ère des GAFA, les années 2000-2020. En 2004, c'est la volonté de Google de se constituer la plus grande bibliothèque que l'humanité ait jamais conçue et de la rendre payante pour ses utilisateurs qui alarma les milieux universitaires et la communauté scientifique. Le programme Google Book Sprint s'appuya d'abord sur la collaboration des grandes bibliothèques universitaires nord-américaines, puis européennes, et la numérisation à l'aveugle, sans faire la différence entre les livres tombés dans le domaine public et les ouvrages sous droit d'auteur, souleva la colère des sociétés d'auteurs et des syndicats de bibliothécaires. Toutefois, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, rendu en avril 2016, a validé la stratégie du groupe californien en rejetant les arguments développés par ses adversaires. Désormais, propriétaire d'un fonds évalué à 25 ou 30 millions de volumes numérisés, Google est parvenu à enrayer les contrefeux allumés par ceux qui, avec Robert Darnton, le grand historien du livre, mais qui était alors directeur des bibliothèques de Harvard, avaient mis tous leurs espoirs dans un projet concurrent, la Digital Public Library of America, le pendant de Gallica en France et d'Europeana en Europe. Démarrée en 2010, sous l'énergique impulsion de Robert Darnton, la DPLA bénéficia du contexte judiciaire qui empêcha Google de profiter pleinement de son antériorité avant la décision de la Cour suprême en 2016. La mobilisation derrière Robert Darnton de bon nombre de grandes institutions nord-américaines a donc été utile, même si elle n'a pas pu empêcher la décision de la Cour suprême. Une deuxième fois, on mesure ce que la volonté politique d'un homme ou d'un groupe, ici, une communauté scientifique, celle des scientifiques, hostile au monopole des GAFA, est capable de faire même lorsque les forces du marché sont déchaînées contre elles. Certes, Robert Darnton n'est pas parvenu à amener Google à remettre toute sa bibliothèque à la disposition de la DPLA, mais Google Books a perdu une bonne partie de l'intérêt qu'il affichait effrontément, insolemment dirais-je, lors de son lancement. On ne peut que regretter que des directeurs de grandes bibliothèques universitaires aient cédé si facilement au chant des sirènes, sans doute parce que leurs institutions n'avaient pas compris qu'il fallait imiter Ulysse dans l'Odyssée et attacher avec des cordes très résistantes ces directeurs versatiles et oublieux des devoirs d'une institution de lecture publique. Lors du colloque de la BNF à Paris, organisé autour de la question du patrimoine numérique en 2009. J'avais rappelé en présence de Bruno Racine, président de la BNF, que bien avant que Google ne voie le jour, en 1992, la Bibliothèque nationale de France avait signé avec un certain nombre d'auteurs et d'éditeurs des contrats concernant la numérisation rapide de certains livres considérés comme devant l'être prioritairement. Et le hasard faisait extraordinairement bien les choses, parce que j'avais retrouvé dans mes archives le contrat que la BNF avait fait signer par mon éditeur Fayard et par moi-même le 6 avril 1992 pour la numérisation gratuite de L'argent et les lettres, histoire du capitalisme d'édition. J'insiste, on était en avril 1992 et ce document, je peux le mettre sur Internet pour prouver que on avait une avance extraordinaire si on avait bien voulu continuer. Bien que ce projet lié à la constitution de ce qu'on appelait alors la très grande bibliothèque, avant qu'elle ne devienne la BNF, Bibliothèque nationale de France, bien que ce projet n'ait pas abouti, l'existence de ce contrat et des autres contrats similaires
montre que si la France avait persévéré dans son projet de numérisation du patrimoine des bibliothèques, et s'il avait transformé ce projet en un programme intensif, Google Books n'aurait jamais vu le jour, puisque la maison mère, la société Google, ne s'est installée à Mountain View, en Californie, qu'en 1998, 6 ans après le lancement du projet de numérisation à Paris. On est saisi de vertige quand on songe au retard pris par les institutions publiques de lecture au début du XXIe siècle, alors qu'à la fin du XXe siècle, elles possédaient une avance extraordinaire. Vous imaginez si Gallica, Européanea et l'équivalent américain s'étaient interconnectés sous l'égide de l'UNESCO? Évidemment, jamais le projet Google Books n'aurait vu le jour. Comme tout va très vite dans ce brave new world que nous habitons depuis une trentaine d'années, c'est un autre cavalier de l'apocalypse qui est apparu à l'horizon en 2004, Amazon. Devenue l'entreprise la plus riche du monde en 2018, avec 840 milliards de dollars de capitalisation boursière, Amazon emploie 1 million de salariés dans le monde aujourd'hui. Et elle vient de s'offrir la Metro-Goldwyn-Mayer et s'est équipée de centaines de drones capables de distribuer ses colis dans n'importe quel endroit de la planète. Lorsqu'elle affirma être la plus grande librairie du monde en 1997, la chaîne de magasins Barnes & Noble lui intenta un procès pour publicité mensongère. Mais l'affaire se solda par un arrangement à l'amiable, exactement comme l'arrangement avec Walmart un an plus tard, parce qu'il y avait eu un différend entre deux. Mais c'est en novembre 2014 que la firme de Seattle a remporté sa plus grande victoire lorsqu'elle a contraint Hachette Book Group à rendre les armes et à baisser son pavillon alors qu'elle l'avait brandi avec véhémence quelques mois plus tôt. Il s'agissait de renégocier le prix de vente des fichiers numériques par l'intermédiaire d'Amazon. Hachette, comme d'ailleurs Simon & Schuster, avait juré leur grand Dieu que jamais ils ne signeraient le nouveau contrat avec Amazon. Quelques mois plus tard, ils l'ont signé et bien entendu, ces contrats n'ont pas été rendus publics et donc on ne connaît pas le détail. Jeff Bezos, dont l'ambition n'était pas seulement de transformer sa société en numéro un à Wall Street, mais d'imposer sa loi à tous ceux avec qui il traitait ou croisait sur sa route, entendait obliger les majors de l'édition mondiale à baisser de façon importante leur prix. Nicolas Georges a rappelé tout à l'heure qu'en France, avec la loi Darcos, qui est encore en discussion, nous venons de prendre des mesures qui devraient permettre effectivement de lutter avec des armes un peu plus importantes contre Amazon. J'en viens à ma conclusion. Quel bilan d'une loi de défense de la librairie peut-on tirer? 40 ans après avoir été votée et promulguée, la loi Lang continue à faire parler d'elle. Et en pleine pandémie de Covid-19, en 2020, elle a retrouvé une seconde jeunesse lorsque la fermeture des librairies, décrétée pendant le premier confinement, a soudainement amené le public à s'interroger sur ce qu'est fondamentalement la librairie, donc le commerce des livres. Alors que le syndicat de la librairie française avait demandé à ses adhérents de respecter les consignes gouvernementales et de fermer leurs magasins pendant le premier confinement, de nombreux libraires dissidents avaient continué à répondre aux demandes des clients en pratiquant le click and collect avant même que l'expression ne fasse floresse, en recevant les commandes par téléphone, en livrant les paquets en vélo ou en voiture. Ils assumaient un service public que l'État avait abandonné en fermant toutes les bibliothèques et les médiathèques. La polémique qui opposa les libraires dissidents et leurs syndicats trouva un écho dans l'espace public. Et au printemps 2020, le magazine professionnel Livre Hebdo ouvrit sa tribune numérique à ceux qui contestaient l'immobilisme du syndicat. Le sociologue Claude Poissanteau reçut une volée de bois vert de la part des dirigeants du syndicat de la librairie française pour avoir osé, avoir affirmé quel crime, le caractère indispensable du livre. Mais ma prise de position très ferme, publiée 10 jours plus tard sous le titre « La librairie, un commerce vital »,
obligea le syndicat de la librairie à abandonner sa position absurde et à comprendre qu'il fallait profiter des circonstances pour placer la librairie au cœur d'un débat sur le rôle du livre dans nos sociétés. Rouverte avec les autres commerces le 11 mai 2020, après 2 mois de fermeture, les librairies allaient profiter, lors du second confinement 1 an plus tard, d'une exception au caractère désormais reconnu comme essentiel par le gouvernement dans un décret pris le 25 février 2021. La France, en déclarant que la librairie est un commerce essentiel, a étonné bon nombre d'observateurs étrangers par cette position singulière qui s'inscrit pourtant dans le droit fil de la politique d'exception culturelle qu'elle n'a cessé de défendre depuis au moins 1945. Au-delà de cette inscription d'une mesure politique dans le temps long, on peut aussi y voir une conséquence indirecte de la loi sur le prix unique du livre adoptée en 1981. La question de la lecture a toujours suscité des polémiques en France, et on pourrait remonter au XVIIIe siècle, voire avant, au XVIIIe siècle en tout cas, au moment où les premiers pionniers de la lecture publique militaient pour la réforme de l'instruction universelle pour apercevoir les prémices de ces oppositions tranchées entre deux conceptions du monde. Au XIXe siècle, la question des bibliothèques populaires et celle de la presse à grand tirage furent également l'objet d'affrontements jusqu'au Parlement qui vota en juillet 1850 un impôt sur les feuilletons. La transformation en 1936 des bibliothèques paroissiales en bibliothèques pour tous était un premier signe de l'évolution des esprits. Et après 1970, les villes de droite comme les villes de gauche eurent à cœur de se doter de superbes médiathèques montrant toute l'importance qu'elles attachaient aux équipements culturels. C'est dans ce contexte, j'y insiste, que fut votée la loi Langue, à un moment où l'unanimité politique qui se manifesta à l'Assemblée nationale témoignait d'un changement majeur, les opposants ne se trouvant non plus du côté des idéologues réactionnaires, mais du côté du marché et de ceux qui le soutiennent. L'opposition entre Jack Lang et Jacques Delors au sein même du Parti socialiste prend ainsi tout son sens, les libéraux défendant non pas les libertés de l'individu, mais celles des grandes entreprises. En conclusion, je voudrais dire ceci. Quand un éditeur comme Michel Lévy expliquait à George Sand qu'il voulait, grâce aux collections de livres à 1 franc, 5 euros actuels, créer un besoin de lire aussi important que le besoin de manger et de boire, il songeait alors à étendre la diffusion de ses collections. Mais il affirmait aussi sa foi dans cet objet étrange que depuis des millénaires, les libraires s'efforcent de répandre dans l'univers, le livre. Commerçants, mais aussi passeurs du contenu des livres, donc médiateurs culturels, les éditeurs et les libraires n'ont pu survivre aux aléas de l'histoire qu'en se réinventant en permanence, mais sans le soutien des pouvoirs publics et de l'opinion publique, ils auraient été dans l'incapacité de poursuivre leur activité. Devenu donc une sorte de bien national, un patrimoine commun à toute une nation, la loi Langue, par le consensus qu'elle réunit autour d'elle, est bien la preuve vivante qu'en certaines circonstances, la volonté humaine est sans limite. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Yves Mollier. C'était absolument passionnant. Merci à la fois pour cette historiographie de la loi Langue et des petites guerres comme ça que vous nous avez montrées, hein, des forces en présence, comme vous avez dit. Puis merci aussi pour cette perspective américaine qui permet un petit peu aussi de replacer cette loi Langue décidée en France, mais on voit un petit peu tous les enjeux comme ça, surtout nord-américains, puisqu'en fait, on voit dès les années 1990, en quelque sorte, surgir un petit peu ce qui va devenir en fait une réalité en 2000-2020 avec les GAFA et puis des monopoles comme ça très forts. Et puis, merci d'avoir foi en quelque sorte à l'humanité, en tout cas de nous rappeler qu'on peut avoir foi en l'humanité et qu'il est parfois possible
de renverser comme ça, des intérêts économiques extrêmement puissants. Si vous pouvez fermer le micro, je vous en remercie. Je pense que nous avons perdu Nadège. Il y a sa connexion qui ne marche plus. Donc, si je ne me trompe pas, ce serait à Madame Françoise Benamou de prendre la parole et nous partager avec nous, pardon, son exposé. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bien, écoutez, d'abord, merci pour cette invitation à participer à cette rencontre extrêmement intéressante. Et moi aussi, je regrette beaucoup, bien entendu, de ne pas être au Brésil avec vous. Merci par avance pour la traduction. Je sais que c'est un travail énorme. Et en plus, comme ça, trois personnes à la suite, c'est bien difficile. Donc, vraiment, je remercie tout particulièrement. Alors, beaucoup a été dit par Jean-Yves Mollier et par Nicolas Georges. J'ai presque envie de dire tout a été dit. Et donc, je vais essayer de me glisser dans les interstices de ce qui a été dit pour rajouter quelques points ou pour revenir sur certains points qui ont pu être soulevés. Je crois qu'il est très important de revenir juste un instant sur le contexte dans lequel nous parlons. Si on pense par exemple à la France, c'est un contexte à la fois de troubles, d'inquiétudes dans le domaine du livre, troubles et inquiétudes parce que, Nicolas Georges l'a rappelé, on se trouve de nouveau, par une ruse de l'histoire, de nouveau devant l'éventuelle concentration très forte du monde éditorial, puisque les deux plus grands groupes éditoriaux français sont appelés à fusionner et sans doute à être un petit peu découpés en appartements pour répondre à des questions de concurrence. Donc, période difficile pour le monde du livre de ce point de vue-là. Difficile aussi parce qu'on voit, bon an, mal an, monter l'e-commerce et tout particulièrement le poids d'Amazon, qui pèse aujourd'hui plus de 10% du marché en France. Alors, ça n'est pas dominant, mais c'est très important. C'est important pour les éditeurs, pour les auteurs et pour l'avenir du livre. Donc, période d'inquiétude aussi du fait de la pandémie et en même temps, période de confiance, car comme l'a souligné Jean-Yves Mollier dans sa présentation, c'est vrai qu'on peut être frappé par le fait que le livre a été particulièrement résilient, finalement. Et après une période de troubles, rappelons qu'en 2020, les librairies ont fermé pendant 3 mois et demi. Eh bien, le chiffre d'affaires du marché éditorial est resté à un niveau très élevé, 2,740 milliards d'euros en France, soit un recul de moins 2,3%, recul de 2,3%, qui n'est vraiment pas considérable compte tenu donc de la période de fermeture. Et pourquoi? Parce que l'activité des libraires a été soutenue par le grand public et les libraires, sur 9 mois, ont vu leur activité s'accroître de plus d'un tiers. Donc voilà, on a vu cette confiance dans les librairies et qui, à mon sens, fait écho aux effets de la loi, car cette loi a plusieurs caractéristiques qui vont permettre la résilience du marché du livre. Quelles caractéristiques? D'abord, c'est une loi d'une grande stabilité. Bien entendu, il y a eu beaucoup de discussions autour de la loi, ça a été rappelé, je n'y reviens pas, mais elle a été renforcée par un certain nombre de modifications. Par exemple, en 82, un décret en Conseil d'État a précisé les sanctions en cas d'infraction. En 85, avec des modifications portant sur le régime des importations et puis un décret définissant un certain nombre d'exceptions, notamment pour le livre scolaire. En 2003, avec le droit de prêt, avec des révisions sur les rabais faits aux collectivités locales, ou en 2017, enfin, avec son extension sur le livre numérique. Mais il n'empêche, ces différents moments ont conforté la loi,
ont permis de l'asseoir mieux encore dans le paysage éditorial et dans ses changements. Et on voit le dernier épisode avec ce qu'on peut appeler la loi d'Arcos qui est en discussion aujourd'hui. Et cette loi donc a montré sa stabilité et sa force. Loi qui a instauré aussi, qui a installé plutôt, un rapport au prix extrêmement simple, le même partout, tout simplement. Si on avait ça pour d'autres biens culturels ou non culturels, je crois que ça simplifierait beaucoup la vie économique. C'est une loi aussi qui a installé dans la psyché collective l'idée de la compétence, tout simplement, du libraire. On défend le libraire au nom de sa compétence et de sa compétence tout particulièrement pour défendre le livre, et y compris le livre le plus difficile. C'est aussi une loi qui a montré l'importance dans la cité des équipements culturels et tout particulièrement des librairies. J'y reviendrai. Et donc, il me semble de ce point de vue-là, et je conclurai cette introduction là-dessus, que c'est une loi qui est très, tout à fait fondatrice de la politique culturelle française et notamment de ce qu'on a pu appeler l'exception culturelle, même si la notion d'exception culturelle a probablement beaucoup évolué dans son acception. En effet, c'est une loi qui met en place, comment le dire, tout simplement la protection sans le protectionnisme. Et ça, c'est un point tout à fait important. On protège la librairie sans instaurer pour autant un protectionnisme qui la sortirait complètement du marché. Et donc, c'est une loi qui encadre le marché tout en reconnaissant son importance. Donc, voilà quelques éléments sur cette loi qui me semble tout à fait important à rappeler. Je dirais que, pour résumer, la loi met en œuvre par des moyens économiques la consolidation du réseau de détaillants et le prix unique, un objectif culturel qui est celui de la préservation de la diversité culturelle et tout particulièrement des livres qu'on a appelés difficiles, et un objectif social, offrir des livres en tout point du territoire et au même prix. Donc voilà, vous avez à la fois une loi qui est économique, qui est culturelle et qui est sociale, et ça a été rappelé très brillamment, notamment par Nicolas Georges. Enfin, je dirais un dernier point, c'est une loi non élitiste. Dans le rappel de l'historique de la loi, je crois qu'il est important de dire qu'au moment où on prépare la loi, un rapport est commandé à quelqu'un qui s'appelle Shetoshin et qui va proposer de distinguer deux catégories de livres. Les livres difficiles et puis les livres plus populaires, et de protéger en quelque sorte les livres difficiles par la loi et pas les livres plus populaires. On a abandonné cette idée parce qu'elle était à la fois difficile à mettre en place, comment faire la part entre les uns et les autres, bien entendu, mais aussi parce qu'on avait conscience que c'était le livre qu'il fallait protéger, fût-il difficile ou moins difficile, populaire ou moins populaire, parce que c'est la culture de tous qu'il fallait protéger et pas simplement la culture de quelques-uns. Donc voilà quelques éléments, j'étais trop longue en introduction, mais je crois qu'il était important de rappeler tout cela, alors je vais peut-être essayer d'être plus rapide, car je vois le temps passer, avec deux parties. Je voudrais rappeler dans une première partie la modernité de cette loi, qui repose sur une triple problématique, celle de l'exception, celle de la diversité, et celle des territoires. Au moment de la loi, d'ailleurs, on n'emploie pas trop le terme territoire, qui est devenu un peu un mot valise qu'on emploie beaucoup, mais qui prend tout son sens, là, je crois, du point de vue de cette loi. Et puis, dans une deuxième partie, j'évoquerai quand même, car il ne faut pas être angélique, en quoi la loi est affectée par à la fois le numérique, par l'e-commerce, par les évolutions des modes de recommandation avec l'Internet, et poser la question de donc, la pertinence de cette loi dans ce contexte nouveau. Alors, premier point, je disais, une loi tout à fait moderne, d'abord parce qu'elle elle est fondée sur l'exception culturelle. L'idée, bien entendu, ça a été dit par Jacques Lang quand il a défendu la loi en 1981 devant l'Assemblée nationale, l'idée que le bien culturel
n'est pas un bien comme un autre et appelle de ce fait un traitement d'exception. Alors pourquoi ? Pour le dire un petit peu en termes économiques, d'abord parce qu'il est porteur d'une création, c'est un bien singulier, on dira c'est un bien prototypique quand on achète un livre et puis ensuite on va dans la librairie. En général, c'est pour en acheter un autre, quelquefois pour acheter le même parce qu'on l'a aimé et qu'on voudrait l'offrir à quelqu'un pour son anniversaire, mais sinon, en général, on va de livre en livre, en quelque sorte. Et donc, bien prototypique, et si ce bien est prototypique, ça veut dire que le risque porté à la fois par celui qui produit des livres, l'éditeur, est un risque tout à fait particulier. Le livre n'est pas l'objet d'achat répété, mais d'achat à chaque fois singulier. Et puis, le risque aussi pour le consommateur, puisqu'il va faire chaque fois l'expérience d'un bien nouveau, dont il sera satisfait ou non. Et c'est seulement en achetant le livre et en le lisant qu'il saura si ce livre répond à son attente. Alors, cette singularité, si vous voulez, cette singularité économique, la spécificité du risque, font que cela appelle un encadrement, à la fois encadrement de la création, c'est le droit d'auteur, hein, et protection contre les formes déloyales de concurrence. À l'époque de la loi, ce sont plutôt les Leclerc et même la FNAC. Hein, et aujourd'hui, et c'est là qu'on voit la grande modernité de la loi, les formes déloyales de concurrence se sont un peu déplacées. Bon, sans doute l'hypermarché joue-t-il son rôle encore un peu, mais en réalité, les formes déloyales de la concurrence, on va les trouver avec les grandes plateformes qui vont pouvoir essayer de déployer des politiques de contournement de la loi. J'y reviendrai. Cette loi, du fait donc de ce que j'ai dit, de ces caractéristiques du livre, de cette nature du bien en quelque sorte, la loi va installer aussi la protection du conseil, hein, dans un univers foisonnant, le conseil est absolument essentiel. On entre dans une librairie, pas seulement pour acheter un livre, mais pour avoir un conseil. Ça ne veut pas dire qu'on va demander nécessairement le conseil du libraire, au sens où on va lui demander « mais qu'est-ce que je pourrais bien acheter ?» Ça peut être un conseil qui passe justement par la table du libraire. Et on voit la modernité de la loi, là encore, parce que ce rôle fondamental du conseil, aujourd'hui s'appelle la recommandation. Il y a toute une économie de la recommandation qui s'est mise en place à la fois dans le monde culturel. Je disais aussi loi de diversité. Là aussi, c'est un peu comme les territoires. Diversité, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un peu un mot valise. Mais ça a un sens extrêmement fort en réalité. C'est quoi la diversité? Et Nicolas Georges l'a rappelé, c'est la diversité des titres. Je dirais que c'est aussi la diversité des temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains livres ont besoin de beaucoup de temps pour exister. Et lorsque Jean-Yves Molière a rappelé qu'il faut beaucoup de, il a fallu beaucoup de temps pour de grands auteurs pour faire connaître leurs livres, et s'il n'y avait pas eu le temps, peut-être aurait-il disparu du marché. Cette question du temps est absolument essentielle et le libraire la prend en compte. Il prend le temps de proposer des livres sur des temps longs, là où peut-être l'hypermarché et plus encore les grandes plateformes conservent sans doute la proposition, la possibilité d'acheter les livres, mais en réalité jouent le rôle des temps courts. Donc la reconnaissance, le temps de la reconnaissance est absolument essentiel. Alors loi de la diversité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on présente plus que ce que peut vendre, que ce que l'on peut vendre. C'est le cas de la librairie. On accepte, comme je l'ai dit, de prendre le temps, et ça a un coût économique qui est important, d'où la nécessité de la protection. Hein. Et puis, on accepte aussi de mettre en place une péréquation bien connue. Hein. Il y a des textes de Pierre Bourdieu passionnants là-dessus, une péréquation entre les livres difficiles et les livres moins difficiles. Hein. Une sorte de solidarité, une sorte de subvention croisée, diraient les économistes, entre les types de livres. Donc, loi de la diversité. Enfin, c'est une loi des territoires, si je puis dire, puisque derrière la loi sur le prix du livre, il y a l'idée
que la librairie doit être défendue sur tout le territoire. C'est un élément de la démocratie culturelle. C'est aussi tout simplement la reconnaissance que la librairie doit faire partie du paysage urbain. Et c'est un sujet particulièrement intéressant aujourd'hui. Vous savez, en France, on a eu ces mouvements des Gilets jaunes, etc., qui mettaient en évidence une espèce de, d'appauvrissement des paysages urbains, hein, avec des villes très qui perdent leur chair, ce qui fait la vie en société. Et quand on réfléchit à ce qui constitue un paysage urbain, la librairie joue un rôle essentiel. Et c'est tout à fait un enjeu pour tous les territoires, pour tous les types de territoires, y compris les territoires ruraux. Et c'est un enjeu aussi du point de vue de ce qui se passe aujourd'hui avec le télétravail et sans doute des migrations de populations qui vont se déplacer des grandes villes vers des villes moyennes et qui sont consommatrices de livres et tout à fait sensibles à l'existence des librairies pas trop loin de chez elles. Et ça, la loi sur le prix unique l'a vraiment préservé. Pour vous donner un chiffre, il y avait 2360 librairies indépendantes en France en 2008, il y en a 2244 en 2017, c'est-à-dire qu'on a vraiment outre tous les points de vente qui peuvent exister, qui sont absolument essentiels pour le livre, mais on voit qu'il y a eu, le chiffre a un petit peu baissé, mais tout de même, on a une force de la librairie indépendante, et cette force, elle le doit à la loi. Alors voilà, après ce plaidoyer, je dirais-je, quelques questions sur les adaptations et sur les réflexions qu'on peut mener dans l'univers que nous connaissons aujourd'hui. La question de la diversité, je vais commencer par ça, car c'est un point auquel je suis tout à fait sensible. Je disais tout à l'heure, les librairies permettent de défendre la diversité du monde éditorial, la diversité des propositions éditoriales qui existent. En même temps, quand on regarde cette diversité, il faut reconnaître une chose, il faut regarder les choses en face. Amazon propose 625 000 titres en langue française, plus 3 millions d'e-books, dont 175 000 en français. Et donc, on pourrait se dire, mais la diversité, elle n'est pas dans les librairies. Elle est un peu, bien entendu, mais elle est encore plus chez Amazon, qui propose une pareille profusion de titres, quasiment tous les titres disponibles. Et c'est un sujet absolument fondamental qu'on peut traiter de deux manières. Premièrement, Amazon, à travers un travail qui a été fait par Chris Anderson, a pu mettre en avant l'idée que grâce, je ne dis pas au livre numérique, mais grâce au e-commerce, on pouvait trouver, dans le fond, tous les livres, c'est ce que je viens de dire, et les livres les plus difficiles pouvaient trouver à être amortis, puisque le public de ces livres, très dispersés sur le territoire et peut-être dans le monde, hein, pouvait être en quelque sorte réuni virtuellement par Amazon, et ainsi on pouvait atteindre ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le point qui permet de rendre ces livres amortis, d'amortir ses livres. Alors, on a fait, nous économistes, un certain nombre de recherches sur cet effet qu'on a appelé de longue traîne. Est-ce que les livres à écoulement lent trouvent, grâce à l'e-commerce, une nouvelle vie? Alors, je dois vous dire qu'il y a un petit frémissement, mais qu'on est loin de cet effet de longue traîne qui a pu être mis en avant par Chris Anderson et par Amazon. Et donc, certes, on a une immense diversité de titres sur Amazon, mais qui pose le problème, en réalité, de la recommandation, de la reconnaissance de ces titres. Où sont-ils? Si vous ne savez pas, si vous cherchez un titre, je dirais, très confidentiel, si vous ne savez pas d'avance quel titre vous cherchez, hein, ça n'est pas grâce à Amazon que vous allez le trouver, ni même grâce aux recommandations qui sont en bas des pages. Ça ne suffit pas. Autrement dit, certes, la librairie
est concurrencé par Amazon et éventuellement par d'autres réseaux, et aussi par la recommandation des influenceurs, etc. Mais la recommandation du libraire demeure extrêmement spécifique. Et donc là, il y a quelque chose peut-être à sauver et à préserver. Mais en tous les cas, la question se pose. Et il ne faut pas, je crois, l'évacuer trop vite. Deuxième point, sur la question des territoires. Je dirais que là, la librairie est plus essentielle que jamais. Vous savez, on a travaillé sur les salles de cinéma. Et on a pu s'étonner en France du fait qu'on avait à peu près, avant la pandémie, 200 millions d'entrées, hein, alors même que plus que jamais, le cinéma est concurrencé par les grandes plateformes, Netflix, etc., et plus généralement par les écrans. Et on a pu montrer, c'est vrai aussi pour le spectacle vivant, et c'est vrai pour la librairie, que plus on est sur nos écrans, et plus nous avons besoin de l'antidote, en quelque sorte, c'est-à-dire dans le même temps, de socialisation et de se retrouver physiquement. Regardez ce qui se passe d'ailleurs, à quel point nous sommes frustrés par le temps que nous passons sur écran, et nous avons besoin de retrouver ces modalités de socialisation physique. Et donc, je crois que la librairie, et je vois le temps passer, donc je vais aller un petit peu vite, la librairie est appelée à être encore plus essentielle. Je reprends le terme sur lequel Jean-Yves Mollier a fini sa présentation, est appelé à être encore plus essentiel du fait même de l'existence des écrans. La librairie et je dirais aussi la bibliothèque, c'est-à-dire les deux lieux où on retrouve le livre physiquement, mais le livre avec, et la bibliothèque, on a parlé de troisième lieu à propos des bibliothèques, avec quelque chose de plus, c'est-à-dire des services additionnels, sans doute une manière d'être en librairie ou en bibliothèque qui n'est pas tout à fait celle du moment de la loi Langue. On voit beaucoup, par exemple, en France, mais dans le monde plus généralement, les librairies évoluer en étant non seulement des lieux où on va trouver des livres, des lieux de conseil, mais aussi où on retrouve des gens, éventuellement pour prendre un café, pour discuter de choses et d'autres, etc. Et donc, cette évolution du métier de libraire est un point qui me semble tout à fait essentiel. Et je crois que quand on pense le libraire comme un commerçant, c'est un commerçant, c'est aussi bien évidemment un militant du livre, et je dirais que c'est un militant de la vie en société, qui est un point absolument fondamental des années que nous vivons. Enfin, sur l'exception culturelle, qui est évidemment le trait très fort de la loi sur le prix unique, la loi évolue. Bien entendu, on a évoqué le fait qu'elle a été transposée au livre numérique, avec évidemment des différences, que la loi d'Arcos apporte quelque chose de plus aujourd'hui à la loi, donc la loi évolue, mais il est clair qu'elle doit composer, et plus généralement le libraire et la loi, avec de nouvelles pratiques. J'en donnerai un exemple, vous voyez par exemple ce qu'on appelle le streaming. Il faut rappeler que lorsque le numérique est arrivé de manière très précoce dans le champ musical, champ, C-H-A-M-P, dans le domaine musical, la loi a changé, pardon, l'industrie musicale a perdu la moitié de son chiffre d'affaires en quelques années. Ça n'était jamais arrivé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si elle reprend des couleurs, c'est grâce au streaming. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai vu beaucoup le milieu du livre dire « Ah non, le streaming, ce n'est pas pour le livre ». Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de lire, des nouvelles manières d'entrer dans le livre, dans le monde numérique, y compris chez les jeunes. Et je crois qu'il ne faut pas essayer d'instrumentaliser la loi pour freiner la possibilité du streaming qui coexistera avec d'autres manières d'entrer dans le livre. Je dirais aussi sur la force des réseaux sociaux, des influenceurs, etc.
les libraires ont bien compris, et tout particulièrement au moment de la pandémie, à quel point il fallait qu'ils marchent sur les deux jambes, ce qui rend d'ailleurs leur travail très difficile, parce que c'est un métier extrêmement difficile qui requiert aujourd'hui une multiplicité de compétences. Je crois qu'il faut qu'ils s'emparent aussi de cette existence des réseaux pour imposer aussi leurs services sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils s'approprient cette modernité, et ce qui implique d'être, si vous voulez, de marcher sur, avec plusieurs jambes. Hein. C'est à la fois, tout à l'heure je disais, c'est la librairie salon de thé presque. Là, je suis dans la librairie qui s'inscrit dans le monde numérique. Tout à l'heure, Jean-Yves Mollier évoquait la librairie qui, via le click and collect, qui propose d'acheter les livres à distance et de venir les chercher ensuite physiquement, et la librairie qui continue d'exercer son métier classique. Autrement dit, c'est un métier qui est appelé à évoluer et prendre à bras le corps ce monde du numérique. Et donc, pour finir, je vais conclure parce que je vois le temps passer. Les dangers sont multiples. On voit par exemple, quand on évoque Amazon, on pense à beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est un vrai danger, parce qu'on le voit dans beaucoup d'autres domaines de l'économie, c'est la question du livre d'occasion. On voit s'installer dans les pratiques, notamment des jeunes, l'idée qu'il faut aujourd'hui être économe et que dans le fond, il est bon que les biens soient, les biens de deuxième main soient mis en avant. Alors pourquoi pas pour le livre? Mais ça pose beaucoup de questions sur le droit d'auteur, sur la rémunération des auteurs, sur aussi la préservation de la loi, parce qu'évidemment le livre d'occasion va échapper à la loi. Alors pour l'instant c'est 2 ans après la parution d'un livre, mais on voit bien que s'installent des pratiques un petit peu de contournement de cela. Et donc le livre d'occasion pose à mon avis beaucoup de questions sur l'avenir du marché. L'auto-édition, qui est un phénomène qui à mon avis est très intéressant à regarder et qui va se développer, et qui veut dire qu'on a de nouvelles manières d'éditer, sans doute de vendre. Et j'ai vu qu'il y a des librairies qui se spécialisent dans l'auto-édition, ça reste très marginal, mais c'est vrai que cela interroge de manière générale le marché, et on voit donc des pratiques nouvelles s'instaurer. Je finirai très vite là par une dernière question. Quand la loi est adoptée, il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu des débats, et ça a été rappelé, parmi les libraires eux-mêmes, certains ne voulaient pas perdre la maîtrise du prix du livre. Il y a eu des débats parmi les éditeurs, il y a eu aussi des débats où on a mis en avant l'idée que, dans le fond, cette loi allait renchérir, d'une certaine manière, puisqu'on ne pouvait plus discounter, les prix des livres les plus populaires, pour préserver la vie des livres difficiles. Ça peut être discuté, parce que quand on prend une perspective intergénérationnelle, cet argument tombe. Mais il n'empêche quand même que l'argument est assez intéressant et pose plus généralement une question de politique culturelle. Il faut toujours faire très attention, et tout particulièrement en France et dans d'autres pays sans doute, au fait que la politique culturelle ne doit pas, allez, comment le dire brutalement, protéger la vie culturelle des classes moyennes et supérieures au détriment peut-être de modalités de consommation culturelle qui seraient plus populaires. Alors, ma distinction est un peu caricaturale, mais il n'empêche, je pense qu'une loi sur le prix unique du livre doit absolument s'accompagner pour continuer d'avoir cette force tranquille qu'elle a pu avoir pendant tant d'années, d'une politique de démocratisation culturelle et de démocratisation de la lecture, à travers notamment tous les efforts qui ont pu être faits
à partir de 81 et après pour les bibliothèques sur tout le territoire. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait essentiel, c'est-à-dire que je dirais plus généralement qu'une une belle politique culturelle doit à la fois être une politique de l'offre et une politique de la démocratisation culturelle. Et nous n'en avons pas fini avec ce sujet-là, même si d'aucuns, quelquefois, ont un peu envie de l'oublier, parce qu'on sait à quel point ce sujet est à la fois important et, je dirais, difficile. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Françoise Benhamou. Alors, je m'excuse pour ma disparition subite, soudaine tout à l'heure, et j'ai eu du mal ensuite à me reconnecter. Nous avons quelques problèmes de connexion aussi au consulat. Merci pour votre exposé. Et puis, merci pour... j'ai trouvé que vous aviez mis un peu en avant justement la plus-value des librairies, hein, l'intérêt justement qu'elles ont aujourd'hui encore dans notre monde, en quelque sorte, malgré l'emprise du monde numérique. Mais justement, vous avez parlé de territoire, vous avez parlé de la question de la recommandation, recommander des livres, et comment, en fait, les libraires ont un nouveau rôle à jouer, effectivement, et deviennent... et ça requiert des compétences particulières. Et je suis de nombreux jeunes libraires, en particulier, mais justement, sur les réseaux sociaux et sur Facebook, et je les vois, justement, s'emparer des réseaux sociaux. J'ai comme l'impression que ce défi, ils l'affrontent et ils parviennent comme ça à capter des jeunes publics, ils parviennent à communiquer autour de livres qui sont loin d'être des best-sellers. Enfin, c'est vrai que c'est assez passionnant, en fait, ce monde de la librairie, comment il est en train de se réinventer d'une certaine manière face à tous ces enjeux. Je pense que ça se pose encore plus au Brésil, où là, pour le coup, il n'y a pas ce maillage territorial des librairies. Évidemment, les librairies sont surtout concentrées dans les grandes villes. Il suffit de sortir des grandes villes et vous n'allez plus voir de librairies. C'est tragique, c'est difficile. Et puis, vous avez aussi posé la question de la démocratisation culturelle. Voilà un autre enjeu majeur au Brésil. Hein. La question de la lecture, comment faire lire à des enfants pauvres, comment faire lire à des enfants qui habitent dans des favelas, comment faire lire à des enfants où il n'y a pas de bibliothèque. Donc la question aussi, vous avez parlé de la bibliothèque, me semble aussi centrale en fait, hein, pour faire découvrir les lectures, pour faire aimer les livres et ensuite pour avoir ensuite des acheteurs en fait, hein, de livres. Donc c'est vraiment des questions qui me semblent centrales et ce sont des enjeux très très importants au Brésil. Et évidemment, il y a un dialogue là à faire entre Brésil et France. Donc, et puis merci à Françoise Benhamou d'avoir tenu votre temps. Effectivement, nous avons un petit peu dépassé. Il n'empêche qu'il y a quelques questions. Alors, je vous propose malgré tout d'aller jusqu'à 13h15, si ça ne vous embête pas, à tous les trois, Nicolas Georges, Jean-Yves Mollier et Françoise Benhamou. La première question, et peut-être avant même cette question, juste pour vous dire que il y a du public, du monde à regarder sur YouTube, et on a un public au-delà du Brésil, une jeune fille mexicaine qui nous dit qu'elle regarde depuis donc le Mexique et qu'il lui semble qu'au Mexique aussi ces questions-là se posent et que le cas français est évidemment intéressant à observer depuis le Mexique et peut-être à prendre éventuellement comme modèle. Voilà. Bon, alors une première question pour Françoise Benhamou. Concernant les critiques qui sont faites à cette loi du prix unique du livre depuis le Brésil, en fait. Et il y a une critique qui veut que cette loi serait une loi élitiste, puisqu'elle voudrait empêcher les discounts, les promotions, etc. Et donc, la personne qui pose cette question se demande pourquoi et comment en France, la loi n'est pas ou n'a pas été perçue comme élitiste. Ça a été le grand argument des Leclerc, hein, au moment de la discussion de la loi et même de la FNAC, c'était de dire mais c'est une loi élitiste parce que justement c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour protéger en quelque sorte la vie future et le temps long
de l'écoulement des livres les plus peut-être difficiles ou innovants, ou je ne sais pas quel mot employer, eh bien, on va renchérir le prix des livres plus populaires. Et c'est, l'argument avait une certaine force au moment où il est apparu, mais en fait, il a été démenti par les faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, quand on regarde ensuite ce qui s'est passé dans le temps, on n'a pas eu d'effet inflationniste de la loi, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre. Et donc, finalement, la loi a défendu tous les livres. Et d'autre part, alors l'autre argument qui a été avancé en réponse au Leclerc, c'est de dire, bon, et puis en plus, dans le temps, finalement, ces livres peut-être à écoulement un petit peu lent, un peu difficile ou supposé difficile, etc., finalement, ensuite, ils font partie du patrimoine commun. Hein, et donc, il faut les protéger au même titre que les autres. Voilà, donc les deux arguments sont arrivés. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça. Il y avait François Eckhall, notamment, qui avait fait à l'époque une étude sur le prix du livre et qui disait mais la loi a un effet inflationniste. Mais en fait, quand on regarde dans le temps, ça n'est pas vrai. Merci, Françoise Benhamou. Alors, un autre commentaire est depuis donc le chat du YouTube de Felipe Castillo de la Seda qui nous dit que la table ronde est merveilleuse, qu'il a pris beaucoup de plaisir à écouter Jean-Yves Mollier, dont il a lu plusieurs des livres, en particulier l'histoire du livre, de l'édition et de la lecture. Et dit-il, cela lui permet de voir une lumière au bout du tunnel. Donc voilà de l'espérance de nouveau que Jean-Yves Mollier nous donne. Alors, une question pour vous tous de Felipe Castillo. Si vous me permettez un instant, je pense qu'il s'agit de notre collègue et amie Laura Suarez de la Torre à Mexico, et qui est non pas un homme, mais... une spécialiste, grande spécialiste du livre au Mexique. Alors, je pense que c'est elle qui a posé la question, non? Laura Suarez de la Torre. Je regarde et je vous dis ça tout de suite. Il semblerait que non. La Mexicaine s'appelle Claudia Bautista. D'accord. Donc voilà. Bien, excusez-moi. Mais ce n'est pas grave. Bon, une question pour vous trois. De Felipe Castillo concernant la loi Langue et comment, quel est son lien avec l'exportation des livres depuis la France et comment cette loi du prix unique du livre peut affecter les relations, l'exportation depuis les autres pays. En gros, comment cette loi Langue affecte l'exportation des livres. J'ai envie de laisser répondre mes deux collègues qui sont davantage spécialistes d'économie, mais je voudrais ajouter à la réponse qu'a faite Françoise Benhamou à la première question, un argument. Il faut que nos amis brésiliens comprennent bien une chose. Lorsque la grande distribution affirme qu'elle est là pour faire baisser les prix, c'est un argument fallacieux. Oui, dans un premier temps, en 1974, avant la loi Langue, la FNAC avait fait baisser le prix du livre. Mais quel était son but? Quel était le but des centres Édouard Leclerc? C'était, lorsque les librairies auraient disparu, de pouvoir naturellement se partager le marché et à ce moment-là, faire remonter les prix du livre. Donc il faut faire très attention au discours que les grands groupes économiques qu'ils dominent la distribution ou d'ailleurs d'autres secteurs peuvent tenir pour essayer d'appâter le public. Vous savez, c'est le miroir aux alouettes. La grande distribution en France et dans d'autres pays, elle a tenu le même discours avec les paysans. Mais la diminution des paysans n'a pas fait baisser les prix à la consommation, bien au contraire. Donc, faisons bien attention à ne pas prendre... à ne pas se laisser prendre au piège de ce type d'argument. Pour la question sur l'exportation, je laisse la parole à mes deux collègues. Nicolas a disparu, je pense que... Oui, non, je suis là. Je ne sais pas si je peux répondre, mais la question ne se pose pas
je pense dans les mêmes termes pour l'ensemble des zones qui sont soumises à des prix fixes. Et je sens bien ce que veut nous demander notre ami brésilien, c'est-à-dire que comment tout ça marche dans un contexte où, bien entendu, le livre reste, si on ne parle pas de traduction, mais si on parle de livre en langue originale, un bien très attaché à un bassin linguistique spécial. Et comment les choses se passent-elles lorsque on travaille sur des bassins linguistiques qui sont plurinationaux, d'une certaine manière, et avec la capacité, bien entendu, à bénéficier d'effets de volume par l'exportation. Alors, la France se targue d'avoir un bassin linguistique important, avec un certain nombre de pays qui sont soit des pays riches, soit des pays moins riches. Et de ce point de vue-là, je rappelle que pour ce qui est de l'export, le prix fixe ne s'applique pas. Autrement dit, les livres sont vendus à des prix catalogues à des exportateurs étrangers, quand bien même ils seraient de langue française, et ces exportateurs, dans leur pays, pratiquent les prix qu'ils souhaitent pratiquer. La manière dont les choses se passent en France doit être éclairée par le fait que l'industrie éditoriale française, par rapport à ses partenaires de langue française, est relativement dominante. Donc, les pays de langue française sont des pays preneurs, de ce point de vue-là, et ont, et c'est encore plus vrai, bien entendu, pour ces pays qu'on dit les pays du Sud, des industries nationales très faibles. Mais même pour les pays qui sont des pays riches, la question est une question de liberté de tarifs. Alors, je peux rentrer dans certains détails qui n'intéresseront pas forcément, pratiquement et opérationnellement, nos collègues du Brésil. Mais la relation, par exemple, avec des pays limitrophes de la France, des éditeurs français avec leur marché, que ce soit un marché belge ou un marché suisse, est compliqué. Et des distorsions de prix entre les deux pays peuvent amener des pratiques et des comportements de consommation assez étranges. Je prends l'exemple de la Suisse. Il se trouve que, alors que la Suisse est voisine de la France, eh bien, les livres français, il suffit qu'ils traversent la frontière de la Suisse pour devenir brusquement beaucoup plus chers. Ce qui amène un certain nombre de nationaux suisses à traverser la frontière pour venir s'approvisionner en France pour trouver les mêmes livres à des prix inférieurs, en tenant compte, bien entendu, du taux de change. Idem en Belgique. Qu'est-ce qui fait ? Alors, ça fait bien sûr les choux gras d'Amazon. Qu'est-ce qui fait ça ? Alors, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, au ministère de la Culture, comment cette cuisine se fait. Les éditeurs, en général, nous disent que ils doivent, dans ces pays-là, avoir un réseau de distribution beaucoup plus fin qu'ils ne l'ont en France. Et que ce réseau de distribution qui amène les livres vers les libraires leur coûte tellement cher qu'ils sont obligés d'augmenter leur prix. C'est ce qu'on appelle la tabelle, qui est une sorte de taxe déguisée qu'imposent les éditeurs français, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, aux libraires suisses ou aux libraires belges. Mais voilà par exemple un cas de relation que nous avons avec l'export et qui n'est pas sans poser de problèmes d'ailleurs diplomatiques, puisque le gouvernement français est sans arrêt interrogé par les Suisses ou par les Belges sur la disparition de cette tabelle. Quant aux pays du Sud, ils sont vraiment sous influence française dans un système que je ne veux pas qualifier de postcolonial, mais enfin qui y ressemble quand même très fortement, et en particulier pour cette catégorie tout à fait spécifique qu'est le livre scolaire. Le livre scolaire dans les pays d'Afrique, ou dans les pays du Maghreb, est pratiquement entièrement exporté et fabriqué par les entreprises françaises, qui ont là un marché tout à fait important. Donc, je ne voudrais pas en tout cas prendre cet exemple qui n'est pas véritablement topique d'un marché mûr entre partenaires équivalents et égaux en matière d'exportation. Pour ce qui est des livres importés précisément en France, encore une fois, il y en a très peu de ces partenaires-là.
Et nous avons sinon, évidemment, des flux d'exportation qui sont des flux de vente de droits ou de livres traduits. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Encore une fois, le livre reste, bien entendu, un produit de marché et de bassin linguistique national, d'une certaine manière. Françoise Benhamou, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question de l'exportation ? Non, j'ai fait moi-même l'expérience du fait que c'est beaucoup plus cher en général en Suisse ou en Belgique qu'en France d'acheter des livres. Et mes collègues me demandent de leur apporter des livres quelquefois. Voilà. Mais c'est quelque chose, ces différentiels de prix à l'heure de l'e-commerce vont disparaître. Parce que l'e-commerce se globalise et donc on peut contourner ces problèmes qu'on a avec les commerces physiques. Et j'ajouterais, ça va faire sourire nos auditeurs, que non seulement les éditeurs français vendent plus cher en Belgique et en Suisse, mais ils nous volent de la moitié de nos droits d'auteur. C'est-à-dire que si les droits d'auteur sont en moyenne de 10% dans l'Hexagone, c'est-à-dire en France, ils ne sont plus que de 5% si notre livre est vendu en Suisse et en Belgique. Donc vous voyez, c'est quand même étrange de vendre le même livre beaucoup plus cher, mais d'expliquer à l'auteur que l'éditeur gagne si peu d'argent qu'il doit diminuer par deux. Ça, j'invite le ministère de la Culture, un jour ou l'autre, à se pencher sur la question. On le fait en ce moment même. Ne vous inquiétez pas, Jean-Yves Bollier, puisque nous organisons une médiation importante sur le modèle de celle qu'on a faite en 2014 avec le professeur Cirinelli, entre la partie des éditeurs et la partie des auteurs, pour ce qu'on appelle en ce moment la transparence sur les exploitations secondes. Donc j'espère qu'on sortira par le haut de cette affaire qui nous prend beaucoup de temps. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Apparemment, nous n'avons plus de questions, il me semble. Juste pour vous dire combien c'était intéressant de vous avoir tous les trois, je crois que vous avez su apporter chacun votre point de vue à la fois sur cette loi et au-delà de cette loi, effectivement, comment cette loi un petit peu a vécu, hein, parce qu'elle a déjà 40 ans, et puis les enjeux actuels à la fois du prix unique du livre, les enjeux de la lecture, les enjeux de la consommation de livres, de la vente du livre, les enjeux politiques, les enjeux économiques. Donc merci beaucoup à vous trois. J'ai trouvé ça absolument passionnant. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer bientôt, peut-être, en chair et en os. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai été très honorée de faire la modération de cette table. Donc, prochaine table ronde d'ici 1h15, si je ne m'abuse. Mais là, je vais peut-être laisser Marisa présenter la suite du programme. Merci au public. Merci à tous les collègues présents et encore une fois, merci à nos trois participants. Merci beaucoup. Peut-être une incise, si je peux le faire. Je vous en prie, Nicolas. Je sais que, pour l'avoir vécu dans différentes circonstances, ces débats sur l'instauration de systèmes de préfixes sont souvent des débats très agités dans les pays qui souhaitent y passer, comme ils l'ont été en France. D'ailleurs, avec ce qu'on a appelé la loi d'Arcos, qu'on est en train de discuter actuellement sur les frais d'expédition, nous avons revécu, 40 ans après, pratiquement les mêmes arguments que nous avons connus, au moment de la loi Langue. Donc, nous avons pas mal d'argumentations, de documentations, qui peuvent être utiles à nos amis du Brésil. Donc, nous sommes à leur entière disposition. Alors, c'est en français, bien entendu, mais je suppose que ça peut être traduit. Nous sommes à leur entière disposition pour les faire bénéficier des différents baptêmes du feu que nous avons eus sur des questions qu'ils rencontrent très certainement actuellement ou qu'ils rencontreront dans ces débats. Donc, c'est avec beaucoup de bonne volonté que nous mettons tout ça à leur disposition s'ils souhaitent, bien entendu, y accéder. Cela nous intéresse, isso nos interessa muito.
Por favor, envie-nous todos os... Cela nous intéresse, c'est un grand merci. Envoyez-nous tous les dossiers dont nous vous disposons, parce que ce dernier week-end, nous avons eu critiqué par la presse, par les médias, parce qu'on nous accuse de ressusciter, de renouveler, de reprendre un grand piège, parce que nous voulons que les livres coûtent plus cher au Brésil. Alors, tous les arguments, tous les renseignements, toutes les informations, ça va nous aider énormément et nous vous en remercions. Et nous l'acceptons, votre offre. Grand... Le portugais, mais j'ai compris que ça intéressait nos interlocuteurs. je pense qu'il ne m'a pas écouté. Olá, Jorge. Vous êtes gentil. Bem, eu deixo a palavra para a Lívia. Existe uma onipresença aqui, que é a Marli Pérez. Então, todos os dias, das 9 às 13... Je ne vais pas traduire gentiment, elle parle de mon travail. Malheureusement, je pense que M. Nicolas ne m'a pas écouté, c'est moi qui vous en remercie. C'était un plaisir et un honneur pour les petits soucis. Ce n'est pas grave, hein? Je vous en remercie. Et Livia va nous parler de notre prochaine table ronde. Madame Françoise Benhamou, Monsieur Jean-Yves Mollier, Monsieur Nicolas Georges, mille merci, c'était vraiment formidable. Au revoir, merci.